Oui, là, normalement, vous devez m'entendre. On a la musique, mais pas de micro. Il y a de la musique? Ah oui, il y avait la musique de l'intro, exact. Ouais, bah désolé, j'avais déjà oublié un truc. Alors, est-ce que ça va bien chez vous? Alors, je vais vite fait ajouter le son, voilà, de l'ordi. Donc, je ne suis pas censé être seul, mais mon acolyte est en cours de redémarrage de son ordi. Il ne devrait pas trop tarder. Salut Kiyoshiro, salut Dice. Aujourd'hui, alors c'est pas vraiment défi peinture, c'est le premier live peinture qu'on va faire, donc je le ferai avec Guillaume, qui ne devrait pas tarder. Il est en train de relancer son ordi, il avait un petit problème dessus. Il va nous rejoindre dans un instant. Donc c'était juste un petit live pour se faire un petit peu de peinture tranquillement. Alors, faut que je m'habitue parce que j'ai jamais fait les caméras comme ça, donc c'est peut-être un peu le bordel. D'ailleurs, je me rends compte qu'on voit très bien les lumières là. Je vais éteindre pour l'instant, on n'a pas besoin. Hop, voilà, il n'y a pas besoin de celle-ci. Donc apparemment, vous devez bien m'entendre maintenant. Hop, ce qu'on va faire vite fait, le temps de... Je vais mettre en grand écran. Tac, voilà, ça vous voyez et un petit peu mieux ce qui se passe ici. Ça m'a l'air pas trop mal. Oui, le son est nickel, parfait. Donc, le temps que Guillaume me rejoigne. Bah écoutez, je vais vite fait vous expliquer. Donc aujourd'hui, on se fait un petit live peinture. Donc, je sais pas si vous reconnaissez ce qu'on a là. On est sur une figurine de Warcry Catacombe, exactement. Je vois un bordel sur mon bureau. Donc, j'ai déjà vite fait, hein. Très très vite fait. Alors, oui, voilà, maintenant, du coup, j'ai plus ma lumière, donc ça va pas être pratique. C'est la galère, hein. Il n'y a pas de souci, c'est normal. Donc, en gros, voilà, j'ai cette figurine-là qui est en cours. Hop, voilà. J'ai vite fait un peu le visage. Bon, évidemment, qualité amateur, hein. Il a un léger strabisme. Bon, là, on le voit pas trop, mais c'est pas la folie, on va pas se mentir. J'ai uniquement fait la peau. Donc là, on va faire un peu le reste. Et on allait peut-être voir aussi avec Guillaume, parce que vu que c'est un pro et que moi j'ai un peu galéré à faire la peau là-dessus. Alors là, vous vous rendez pas compte, mais ça a l'air peut-être un peu propre. Mais ça l'est pas, du tout. Donc avec Guillaume, on aurait pu regarder un peu ça aujourd'hui. Alors je vais laisser ma tête en tout petit pour l'instant. Le cadrage, pas forcément au point, mais c'est pas très très grave. Ah, je crois que Guillaume arrive. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hop, je vais mettre vite fait ici, comme ça. Hop, j'ai tout le temps de voir Guillaume. Back. C'est bon, il est là. Donc vous devez l'entendre normalement, là. Pas encore le voir, mais l'entendre. Allez, non, si ça va aussi vite que pour démarrer l'ordi, à mon avis, vous allez me voir dans une demi-heure. Pratique. Écoute, j'aurais vite fait montrer un peu ce que j'avais fait. J'aurais dit que voilà, ce que c'était comme bande, donc c'est une bande Warcry. Et Yes. que tu allais peut-être me conseiller concernant la peinture de la peau sur les C'est figurines. mort. C'est mort, c'est C'est mort? terminé. Bon, bah écoutez, merci à tous. On se retrouve, je sais pas quand, le prochain live. T'imagines, le truc qui part en couille. Alors Guillaume, il est là pour m'aider. Non, c'est mort. Ok, et eh ben ça sera tout pour aujourd'hui. Tac. Alors là, j'en ai profité moi pendant que mon ordinateur surpuissant et ultra rapide mettait pas du tout longtemps à redémarrer. J'en ai profité pour sous-coucher quelques figurines. Ouais, là j'entendais un petit peu de l'aéro. L'aérographe, ouais. Tiens, du coup, je vais. Bon, j'espère que ça va aller mieux. Honnêtement, je sais pas du tout. Donc, on va essayer, hein.
Écoute, on va vais voir. essayer. Comme Voir ce que ça. ça donne. Suspense. Voilà. Suspense. Ça a l'air d'être un peu Ça a mieux. l'air d'être pas trop mal. Écoute, hop, je te rajoute à... Pas fou, fou, Je mais te ça a rajoute l'air avec un peu moi. mieux. C'en est deux. Hop là. Oula. Faut pas que je casse ce que j'ai fait. Je vais mettre ma tête dans les pots de peinture un petit peu en bas. Tac, nickel. Et ben voilà. Donc, je vais pas baisser ça parce que sinon ça va être le bordel. Technique. Même Hop. pas, je me Salut, suis même Kicker. pas connecté sur Twitch, donc je vais essayer Écoute, de me connecter en même temps sur Twitch pour pouvoir suivre le chat. on a 9 personnes là qui nous regardent, leurs yeux ébahis. C'est qu'on est attendu en plus alors. Ouais, grave, j'aurais pas pensé à avoir autant de monde dès le début. J'aurais pensé qu'on aurait fait une bonne demi-heure tout seul. Alors. Voir une bonne demi-émission surtout. Que les gens qui s'y perdent arrivent jusqu'à nous. Alors, est-ce que j'arrive à me connecter sur Twitch pour que ça me fasse complètement laguer? Écoute, ça a l'air d'être. Tu vois, je passe ma main comme ça, histoire de voir combien de temps de latence il y a. D'être correct. Alors attends, Keycard, ça arrive. Pour l'instant, on n'a pas encore commencé. Puis arrête, c'est fou. Regarde, j'ai. Hop, j'ai deux figurines. Il est déjà en train de râler celui-là? Ouais, il se plaint. Il se plaint de du fait qu'on bosse pas assez. C'est incroyable, c'est incroyable. Ouais, Alors, forcément prévu en particulier. Donc, tu sais, vu que enfin, c'est toujours un peu particulier quand tu bosses. Comment dire? Quand tu bosses en live et tout, faut d'abord qu'on le maîtrise, qu'on soit un peu propre et tout, avant que je puisse commencer à peindre des trucs que j'ai vraiment en commission de peinture. ouais. Donc là, en fait, je me suis pris une figurine. Je me suis pris de la nouvelle boîte de Blood Bowl, Ok, c'est ce qui un. ferait très plaisir à notre ami Uriel, puisque du coup, c'est encore du Games. J'ai vu que tu m'avais dit que tu avais un petit peu des difficultés là sur la peau. Je me suis dit, je vais chercher une figurine où il y a de la peau. Et sur l'arbitre nain, tu vois, il y a un petit peu de peau là sur ses deux bras et sur sa tronche. Ok. Donc je me suis dit que ça pouvait potentiellement le faire. Ah bah nickel. Alors moi, du coup, j'ai fait mon pré-ombrage. J'ai fait ma sous-couche, pardon. Et justement, je vais faire un petit peu de pré-ombrage. Ok, ouais, Donc donc là, tu je vais juste fais... nettoyer un petit peu l'aéroport. Je nettoie un petit peu l'aéro là parce que du coup j'ai mis de la sous-couche. Donc forcément la sous-couche, tu sais, c'est quand même quelque chose qui accroche énormément. Donc ça a tendance quand même à bien bien encrasser l'aérographe. Donc du coup là je vais juste laver ça et puis je vais me faire un petit zénithal de blanc pour faciliter la peinture. Alors en fait l'avantage du zénithal, c'est double. C'est que premièrement, tu vas avoir des zones qui seront éclaircies. Donc du coup, tu vas pouvoir poser tout ce qui est peinture plus. Attends, je vais m'éloigner peut-être. Ouais, ça Mes fait un petit amis peu de bruit. micro ou pas. Je dis vite fait, salut à Je Ketan, qui est passé par là aussi. vais vider comme ça. Hop. Voilà. Alors du coup, en fait, ouais, là, je disais, il y a un double avantage en fait à faire du pré-ombrage. Le premier, c'est que tu as des zones, par exemple, que tu vas peindre dans des teintes plus claires. La peau, Oui. quand tu peins la peau, c'est quand même. Alors, à part éventuellement si tu veux faire une peau sombre, mais quand on fait une peau plus type caucasienne, tu as tendance à faire des peaux qui sont assez claires. Donc, du coup, là-dessus, c'est pas inintéressant d'avoir son pré-ombrage parce que du coup, tu vas insister davantage sur certaines zones avec ton blanc. Et ce blanc va te permettre tout simplement d'avoir ta peinture de peau qui va couvrir davantage. Donc ça Ok. c'est la première chose. J'avais déjà vu un gars Et faire ça en blanc, en gris. Enfin, tu sais, il faisait sous-couche noire, il faisait en gris à l'horizontale, et après en zénithale, il faisait en blanc, et ça lui faisait un espèce de contraste comme ça pour la peau. il faisait carrément, il s'embêtait à passer au gris ou Ouais, pas? il faisait les trois. Moi je m'embête pas comme ça en fait parce que je trouve que de toute façon si tu gères bien ton inclinaison de l'aérographe, ça va projeter des micro-gouttelettes et donc du coup
Si tu gères bien ton inclinaison, tu vas arriver à avoir quelque chose qui va être vraiment dégradé en fait. Ton blanc, il va être très blanc sur le haut et puis il va être de moins en moins opaque, on va dire, au fur et à mesure que tu vas descendre vers les ombres. Donc tu vas te retrouver avec quelque chose qui sera de plus en plus grisonnant. Au final, je trouve que pour du pré-ombrage, sachant qu'en général derrière, à part si ça me fait des grumeaux, c'est bizarre. À part si vraiment tu veux peindre en lavis successifs, et donc du coup tu vas peindre par transparence en utilisant ta couche de pré-ombrage. Sinon, de toute façon, tu vas recouvrir en fait. Donc puisque tu recouvres, il n'y a pas besoin d'une précision de fou, il n'y a pas besoin d'un dégradé de fou, il faut juste que ça soit des zones plus claires, des zones plus sombres. Et en général, ça suffit largement. Là, tu vois, moi je passe directement au blanc. En général, c'est pas rare hein, que le blanc il fasse un peu des petits crachotis de temps en temps. Comme ça, quand c'est juste pour de la sous-couche, pour du pré-ombrage, c'est pas trop grave. Donc du coup là, hop, tu vois, je vérifie bien mon spray. Et en fait, pour mon pré-ombrage, donc je vais mettre ma figurine comme ça. Je mets mon aérographe vraiment pile en zénithal pour le premier passage. Et je vais passer comme ça. Je passe un premier voile comme ça en faisant. Coup. En général, l'avantage de faire ça, c'est que j'ai pas fini quand je disais qu'il y avait deux avantages. Le premier, c'est qu'en effet, déjà, ça t'éclaircit tes zones plus claires. Donc, par exemple, quand tu veux peindre de la peau ou quoi, c'est intéressant d'avoir une zone plus claire de base. Mais aussi, ça va dessiner ta figurine. Rien que là, avec un premier passage en haut, on voit tout de suite vachement plus tous les reliefs, tous les détails. Notamment par exemple ici sur le livre, alors que quand tout est en noir, bah forcément on voit moins bien. Et du coup, le petit inconvénient par contre, c'est que bah, tu vas bien voir les lignes de moulage que tu as oubliées, ça c'est sûr. Tu vois là sur le dessus, là il y en a une qui court le long du bras. Bon bah tant pis, c'est pas grave, on fera avec. Mais du coup, ouais, le premier avantage, comme je disais, c'est de peindre plus facilement des couleurs claires, et le deuxième, c'est de bien dessiner ta figurine, comme ça, de bien dessiner les reliefs. Et donc du coup, vu que tu pulvérises avec un spray propulse des particules de peinture quasiment en ligne droite, ça imite bien la lumière. Et donc du coup, toutes les zones qui seront éclairées seront vraiment les zones de lumière, alors que les zones qui sont dans l'ombre, c'est justement des zones qui sont pas à la lumière. Donc ça va te guider pour savoir où poser tes éclaircies. Ça, c'est hyper intéressant. Et donc tu vois là, comme je te disais, en fait, j'ai juste été dessus. Et une fois que j'ai fait le passage dessus, en fait, je vais incliner un peu plus ma figurine. Donc, je vais mettre ma figurine droite, je vais être comme ça à peu près, tu vois, avec mon aérographe. Et là, je vais venir affiner les transitions entre le blanc qui est vraiment plus blanc et les zones qui sont beaucoup trop sombres pour pas que ça soit trop brutal. Donc là, du coup, je passe un deuxième passage comme ça. Alors, j'ai Nila TV qui demande si tu utilises du primer pour faire la zénithale en aéro. Du primer, ouais, non, je pense primer. Tu peux utiliser du primer, ouais, il n'y a pas de souci. Le seul truc en fait, c'est que le primer est parfois un peu plus épais, donc ça a tendance à faire un peu plus de crachotis. Mais ouais, il n'y a pas de souci, tu peux bien sûr utiliser du primer. Après, si tu utilises du primer noir pour faire ta sous-couche et ensuite que tu passes avec plutôt une peinture blanche, c'est pas plus mal parce que du coup, tu as quand même quelque chose d'un peu plus fin. Donc là, tu vois, du coup, je suis venu adoucir les transitions. Donc, on est vraiment sur un dégradé de blanc à noir. Et maintenant, en fait, ce que je vais faire. Alors, mon aérographe, il bouge un peu parce que je ne l'ai pas nettoyé là, depuis ce matin. Mais je vais essayer, tu vois, d'aller sur les zones, notamment par exemple le visage, qui est la zone que je considère comme étant celle qui va devoir attirer l'œil. Je vais venir éclaircir davantage avec mon blanc, en fait. Donc, je vais vraiment fixer la zone comme ça. Alors tiens, Nila redemande, elle dit merci, elle te dit merci déjà, et elle te demande si pour ta De rien. sous-couche en aéro, enfin elle te demande pour ta sous-couche en aéro, tu as utilisé quoi? J'utilisais quoi? Alors bah là pour le coup j'utilise du primer. Pour la sous-couche, pour vraiment la première couche, j'utilise du primer. J'ai reçu ça de Green Stuff World. Du noir, matte primer black. L'inconvénient de ces pots, c'est qu'ils sont pas très grands, donc ils s'utilisent assez vite. Quand tu as une activité de peintre pro comme moi, tu peins quand même pas mal, donc forcément t'en passes un peu des tartines. Par contre, je la trouve vraiment cool, elle est très fine, elle est très mate, et ça, je trouve ça hyper appréciable, parce que typiquement,
comment le j'avais essayé, tu sais, le primer Army Painter, Ouais. qui est bien parce qu'en fait il est assez épais, il couvre vraiment bien, il accroche très très bien. Par contre, il a un côté très brillant. Et du coup, si tu utilises le primer Army Painter sans faire ensuite un spray de blanc pour faire ton pré-ombrage, du coup, tu as un côté très satiné, très brillant, qui fait que ça rend difficile la lecture de la figurine, en fait. Donc, du coup, si tu fais un pré-ombrage, ça marche très bien aussi. Mais si tu n'en fais pas, je te conseille encore plus de passer ça, parce qu'il a une finition mate, et donc, du coup, c'est vachement intéressant. Ok. Et désolé, Donc Nila. là, tu vois, du coup, J'étais. tu vois, là, on voit bien, je sais pas si ça se voit bien à la caméra. On voit le dégradé en tout cas, au niveau. On voit que le visage est un peu plus blanc. Ouais, j'essaie de rapprocher, il faudra que je fasse des réglages en fait pour savoir comment j'incline mes lampes, tout ça. Mais tu vois, là, le visage est vraiment blanc, le dessus de la barbe est vraiment blanc. Par contre, quand tu regardes du dessous, en fait, tu es vraiment sur des zones qui sont beaucoup plus sombres, qui sont un peu plus gris-noir, en fait. Et du coup, ça te sert vraiment de super base Ok. pour travailler ta figurine. Donc là, du coup, de toute façon, je vais pas travailler à l'aérographe, hein, surtout que les zones sont assez petites. On pourrait faire la peau, là, à l'aérographe. J'ai plutôt envie d'y aller au pinceau, notamment parce que toi, si je me trompe pas, t'as pas d'aéro, toi. Non, moi j'ai pas d'aéro. J'ai fait une sous-couche grise. Un gris basique. Je pense que lui pourrait être un très bon Ouais, exemple pour le. c'est pas mal la sous-couche grise, hein. Moi, j'avoue que je suis plutôt. En fait, je suis un peu de l'ancienne époque, j'allais dire. Tu sais, moi, j'ai commencé la peinture en les années 2010, plutôt. Et à l'époque, en fait, il n'y avait pas trop encore toutes ces sous-couches colorées et même pas de sous-couches grises. En fait, tu avais plutôt du noir ou du blanc. Donc, du coup, j'ai toujours eu le choix entre les deux. À choisir entre les deux, je préfère le noir. Ouais, je suis bien d'accord. Parce que comme ça permet quand tu as des zones, tu sais, qui sont pas très accessibles ou quoi, bah ça permet de les laisser en noir et donc du coup ça te fait une ombre qui est crédible. Alors que le blanc, c'est un peu plus compliqué. Ouais, ça j'ai déjà eu le souci sur les grosses figurines sous-couchées en blanc. Et les petits coins à la con chiants à accéder, bah tu les vois jusqu'au bout, quoi. Tu peux pas les oublier. Ah ouais, c'est pénible, hein, c'est vraiment pénible. Du coup là, voilà, je vais poser ça, comme on dit dans une certaine émission bien connue, par devers moi. Alors, tiens, Et donc du coup, Nila te on va redemande, recommencer. pour ton primer aéro, tu le dilues avec de l'eau ou autre chose? Le primer. Ah ouais, alors le primer, en fait, initialement, j'avais acheté ça. Et ça. Donc c'est des trucs tout faits de chez Valero. C'est du airbrush thinner et du cleaner. Donc il y en a un, c'est fait pour nettoyer plutôt l'aérographe et D'accord. pour diluer sa peinture. Ok. Et en fait, si tu veux, donc j'utilise ça, mais là, à partir du, tu vois, j'en ai quasiment plus. À partir du moment où je l'aurai fini, je vais essayer de ne pas en racheter et de simplement faire un mélange 50-50 entre du lave-glace, du lave-vitre et de l'eau déminéralisée. Parce que, a priori, ça a quasiment le même rendu. Ah ouais. Donc, si je peux ne pas en racheter, ça m'arrange parce que c'est quand même. Alors, ça dure un moment, hein, mais c'est pas donné. C'est genre, ça doit être 12 balles le truc, tu vois. Donc, ça, voilà. Si je peux le remplacer par de l'eau, ça me coûtera à peu près une fois moins cher. Pas faux. Donc, voilà. Je dis bonjour à Ganouli Salut les Ludique. Ganouli Ludiques. Ouais. Alors, Alors il va falloir que j'entame aussi un peu ma du coup, peinture. bah, on va bosser un peu cette peau là. On va partir. Là, je vais partir sur une peau assez standard. Alors moi j'utilise que des peintures games. Voilà, je vais Tu vois, partir. je suis games jusqu'au bout. Ouais. Parce que je T'as pense quoi que. comme teinte de peau? Alors, donc ça c'est ce qu'il conseille. J'ai toutes celles-ci. Montre-moi les plus foncées. La plus foncée, ça va être Je suis bête, je celle-ci. regarde sur Twitch. Si je regarde sur Twitch, je vais être en décalage. C'est pas faux. Il faut que je regarde ici. Il est pas malin, le garçon. Il est pas J'ai malin. celui-là, et Non, après mais je sais attends, que il faut que je j'ai. regarde mon pinceau, ma figurine, tout, et en même temps Discord. J'ai ce lavis-là qui permet d'assombrir et qui a une très bonne couleur pour la peau. Ouais. Après, je sais qu'il conseille. Enfin, j'ai regardé un peu les schémas de couleurs qu'il faisait. Je sais que je l'avais fait à l'époque de faire en base celle-ci en fait, qui est un peu une couleur C'est quoi ça? particulière.
C'est une racarte flèche, ça s'appelle. Ok, mais ça m'a l'air très clair pour faire de la base. Mais en fait, il... Ah, mais ouais, peut-être qu'il te c'est... le conseille en base pour que ça soit couvrant, parce que les autres, c'est quoi? C'est des layers? Ouais, c'est ça. C'est Que ça, les juste une base. toponymes aussi chez Citadel. J'ai complètement lâché l'affaire parce que Je entre t'y les suis. techniques, les layers, les bases, les shades, les contrastes, il arrive un moment, faut En arrêter fait, quoi. moi Non, moi, j'ai... alors tu vois, je vais te montrer un peu ce que je fais, moi. J'utilise un kit qui est super bien foutu. Un kit qui est de chez Scale 75. Alors, du coup, ce que je fais en général, tu vois, c'est pour mes ombres, déjà, je commence avec. Oups. Soit l'autre, en fonction du résultat souhaité. Il y a de l'Indian Shadow et de l'Arabic Shadow. Donc là, on est sur des teintes qui sont soit un espèce de peau foncée très rougeâtre, ou alors un peau un peu foncé, mais beaucoup plus marron-vert. D'accord, je En dois en avoir fait, un peu, par contre. j'aime bien partir là-dessus parce que ça donne vraiment des très très bons contrastes à tes visages, à ta peau. Alors que quand tu pars avec des trucs style bah, de la peau un peu standard et que tu fais des lavis dessus, en général, ça a tendance à être beaucoup moins contrasté. Donc du coup, j'aime bien partir sur ces teintes-là. J'allais te montrer, mais en fait, j'allais te montrer. Mais non, mais je l'ai plus en fait. Je suis bête. J'ai peint, tu sais, là en ce moment j'étais sur une commande de Custodes et le client est venu la récupérer tout à Ah oui. l'heure. Et en fait, tous les derniers visages que j'avais fait c'était là-dessus. Donc en gros, tu peux partir sur des teintes comme ça. Après, par contre, tu peux obtenir des visages comme celui-ci par exemple très rapidement. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Alors, parce qu'il y a un petit Alors, si je... décalage. Parce qu'en fait, je suis comme toi, moi je regarde dans le retour aussi de, de Twitch. de montrer comme ça. La caméra veut bien faire la mise au point. Pas de mise au point possible. Hey, allez! Allez, focus là. Oh, c'est agaçant en plus ça, ce genre de choses. Ouais. Bon, là on est pas mal. Oh, tu peux faire des visages comme ça déjà. Très rapidement, ça c'est de la base, du lavis et ensuite deux éclaircies et point quoi. Tu vois, ça va très vite à faire ça. Ok. Deux choses. Là en fait sur les visages, je trouve que bah, on avait le débat la dernière fois sur Entre-deux-Guerres. Je trouve que les visages games sont quand même vraiment bien foutus. Et donc du coup ils permettent d'aller un peu plus loin. Donc je trouve que vu que c'est une zone, et tu vois sur une figurine comme ça, c'est une zone qui quand même prend vraiment de la place en fait. C'est quelque chose que tu vas vraiment regarder. Je trouve ça intéressant d'essayer de pousser un petit peu plus loin que de faire juste avec des lavis. Est-ce que toi tu as des couleurs qui ressemblent un petit peu à ça? Alors, ce que j'étais en train de regarder justement, je pense que ce qui peut peut-être plus le s'en rapprocher, j'ai ces deux-là. Ah, évidemment, j'ai éteint la lumière de ce côté-là, du coup, on voit plus rien. Hop, si Malin, il est pas j'active. malin. Il est pas mal, le gars. Tac, j'ai ces deux-là. Oh oui, ça ressemble pas mal. Là, par exemple, tu vois celle qui ressemble au rougeâtre là, celle que t'as là. Oui, celle-ci. Je pense que ça peut te servir de base assez intéressante en fait. Il me semble Elle est que un je peu l'avais plus claire que acheté de moi. base pour ça. Il me semble que de base, ils conseillaient ça en base justement pour les peaux. Après, ouais, De toute j'ai... façon, là, on va se lancer parce que sinon, les gens, à force de nous regarder blablater sans peindre, ils vont se dire qu'on s'est un peu foutu de leur gueule. Donc là, fait, du on coup, en fait, ce regarde que je les fais, c'est que je prends coutures. ma teinte là et je vais la désaturer et l'assombrir un peu en rajoutant une pointe de noir. Bon, on peut désaturer et assombrir autrement. On pourrait, par exemple, vu que c'est une teinte qui tire plutôt sur le rouge, on pourrait partir sur du vert. Vert assez sombre pour désaturer et assombrir en même temps, mais là je le fais avec un peu de noir parce que je veux vraiment que ça tende un peu plus vers le gris. Je veux pas que les D'accord. ombres soient trop saturées en fait. Et donc tu Donc dilues du coup, vachement pour là garder quand même vachement l'éclairage que tu avais en dessous. non, pas du tout. Non, non, là je vais faire une teinte qui va tout recouvrir en fait. Comme je te dis, moi Ok. le pré-ombrage me sert à me guider pour que visuellement je sache où je dois poser mes lumières. Et ça me sert aussi parce que du coup, bah là par exemple, ma couleur elle va être vachement plus couvrante sur toutes les parties peau.
Mais par contre, en soi, on va pas trop voir de différence. Alors, il y aura des petites différences entre le dessous et le dessus, mais ce sera quand même pas tant que ça. Ce sera pas si évident que ça. Là, tu vois, la teinte que je vais appliquer, du coup, c'est celle-ci. Là, Ouais. c'est le mélange qui est ici. Ok, je vois bien, oui. Sur quelque chose d'assez désaturé et d'assez sombre. Du coup, là, je vais tout simplement passer toute la peau en fait, sur cette couleur-là. Bon, alors, comme d'hab, j'ai fait mon raccro sur la peinture, donc je n'ai pas préparé beaucoup. Ça, c'est vrai qu'il manque plein de rouge, là. Attends, je suis en train de dire. Parce que j'ai des trucs à peindre en rouge, mais j'ai aucune couleur rouge. Donc c'est compliqué. Pas de couleur rouge. Si, j'en ai plein normalement, mais je les ai pas sur mon plateau là. C'est plutôt ça qui me. Il est pas malin, encore une fois, il est pas malin. Ben, il est pas malin. Hop, ok, j'ai ces deux-là. Il m'en manque une par contre. Ah, ben, je crois qu'il est juste en dessous. Là, mes Fist and Red. Voilà, t'as vu quand j'ai toutes les peintures. Bah c'est cool, Ganoui, si tu commences la peinture, c'est top. J'adore échanger avec ceux qui se lancent dans la peinture. C'est génial de rentrer dans ce milieu. Surtout que je trouve, enfin j'ai montré à quoi, quand même, à deux personnes que j'ai fait rentrer dans le monde de la peinture. Et malgré tout, il y avait quand même vachement cet aspect de je ne peux pas y arriver, tu vois, c'est trop compliqué, j'ai pas le niveau pour faire ça. Et en fait, juste en montrant des fois des techniques toutes connes, quand on n'est pas dans l'univers de la peinture, on connaît pas, en fait tu te rends compte que très rapidement tu peux avoir des résultats sans forcément être un. Enfin, un résultat. Bien pour un mec qui débute, j'entends. Tu saurais pas Ouais, non, mais même, ce de que toute Guillaume est en train façon, de faire, après, quoi. enfin, je veux dire, comment dire, c'est quand même un milieu où, si tu apprends, si tu peins régulièrement, tu progresses de toute façon, tu vois, il n'y a pas, tu sais, j'en entends parfois, ouais, mais attends, moi, j'ai vraiment aucun talent là-dedans, mais il n'y a pas de talent, enfin, c'est, Non, tu je peux suis avoir d'accord. certaines facilités ou autres, mais en vrai, quand tu regardes, il y a des choses qui permettent, comme tu dis, de faire des résultats qui sont superbes. Et pourtant, les techniques et les manières de faire, c'est simple en soi, en Plus fait. de, Donc, je trouve que c'est plus de y a de pas la de raison. patience des fois que du talent, tu vois. C'est plus voilà, faut être Ouais, carrément. un Puis peu patient, après, prendre il son faut temps avoir. Je tranquillement. pense qu'il faut être un peu curieux, tu vois. Il faut essayer de comprendre, de savoir pourquoi, plutôt que. En fait, je trouve qu'il y a un truc qui est. Dans le milieu, notamment depuis l'apparition d'Internet et de tous les tutos que tu peux avoir sur YouTube, les émissions de peinture sur Twitch, ce genre de choses, tu vois exactement ce qu'on est en train de faire, c'est que les gens se disent, bah tiens, je vais regarder et puis je vais recopier, mais il n'y a pas la démarche d'essayer de comprendre en fait, et je pense que c'est là qu'il y a une petite erreur. C'est que pour arriver à bien reproduire correctement et surtout arriver derrière à le refaire en autonomie, il faut comprendre en fait. Il faut comprendre ce qu'on fait et pas simplement reproduire. Quand tu fais la démarche d'essayer de comprendre ce que tu fais, je pense que tu peux arriver à progresser très rapidement. Je vais me mettre à peindre aussi un petit peu. Alors j'ai pas de peau sur ces deux-là parce que je les ai déjà fait. Alors si j'ai celui-ci que je dois éclaircir. Parce que j'ai déjà fait le lavis de mémoire. On va l'éclaircir avec le clair pour l'instant. Après c'est des petits. Là celui-là j'ai quasiment que dalle. Quasiment que dalle à peindre sur cette figurine-là. Je vais augmenter un peu mes lumières au-dessus. Non, je suis confus, que je la baisse. Hop. J'ai mon chat qui commence à se plaindre. Faut la remanger sans doute, comme d'habitude. C'est Alors, possible. qu'est-ce qu'il y a Dice 666 qui nous dit Ah oui. quoi? Je débute aussi. Il nous Autant dit, la je débute sous-couche et les aussi, premières autant avec ce coup. peintures. Vas-y, je te Oh, je laisse te lire. laisse lire. Ok, on a fait exactement la Très même phrase, drôle. quoi. Exact. Autant la sous-couche et les premières peintures pour les couleurs, ça passe. J'ai plus de mal avec les finitions et les brossages. Je sais pas ce que tu appelles les finitions et les brossages. Là, comme ça, je pense que tu veux parler de ben, justement tout ce qui est. Les éclaircies peut-être. Poser les ombres et lumières en fait et oui évidemment en fait bah c'est quelque chose qui est ça fait partie des choses les plus complexes dans la peinture évidemment parce que c'est là que tu vas arriver à être crédible ou pas dans ta peinture si tu poses les lumières au bon endroit ou pas mais pour ça en fait
Y a pas mal de choses hein, sur la théorie des lumières, tout ça. La théorie de la lumière, c'est assez intéressant d'ailleurs comme sujet. Mais en fait, le conseil que je peux donner, c'est faut décomposer ta figurine. Faut la décomposer, faut essayer d'arriver à comprendre quels sont les différents volumes, quelles sont les différentes formes qui composent ton personnage. Et en fonction de ça, en fait, tu vas voir que tu vas du coup, si tu arrives à bien décomposer les choses, que bah, sa tête c'est plutôt comme une sphère, son bras c'est plutôt comme un cylindre, et du coup tu vas arriver à comprendre où poser les lumières de cette manière. C'est vraiment le meilleur moyen pour arriver à gérer ça. Je dis qu'il faut décomposer, quand je dis qu'il faut décomposer, c'est-à-dire que des formes simples. T'as trois formes de base en fait qui reviennent systématiquement et où tu peux quasiment tout changer en ces formats, en ces volumes simples. Ça, c'est la sphère, le cube et le cylindre. Et une fois que tu sais comment se comporte la lumière sur une sphère, sur un cube et sur un cylindre, et que tu arrives à décomposer tes figurines pour justement arriver à identifier quelles sont les zones qui sont une sphère, quelles sont les zones qui sont un cube et quelles sont un cylindre, bah, du coup, tu arrives vachement plus à maîtriser ta pose de lumière. Diz, Ganoli, les ombres et les lumières, c'est dur, surtout qu'on trouve beaucoup de vidéos qui utilisent les Citadel Shade, mais rarement dans la... Ouais, bien sûr, bah, c'est parce que c'est aussi plus simple. Et justement, en fait, c'est assez souvent quand j'ai des personnes qui viennent prendre des cours, que justement je leur dise, bah, on va pas utiliser le shade. Pour deux raisons. Déjà parce que bah, le shade, c'est une peinture qui est censée, entre guillemets, faire le boulot à ta place. Donc si ça fait le boulot à ta place, bah, évidemment, tu peux pas comprendre ce que tu fais, puisque c'est pas toi qui le fais. En plus de ça... Ah, les shades, en fait, ça crée des ombres, certaines qui sont correctes, mais d'autres qui ne le sont pas forcément. Les shades, en fait, ça va ombrer tous les creux. Ça part du principe que tu es en train de peindre en lumière générale, et non pas en lumière zénithale. Or, on peint quand même beaucoup, de plus en plus, en lumière zénithale, justement parce que c'est une lumière qui est plus réaliste. Reprendre chaque volume en fonction de son orientation par rapport à la lumière et non pas simplement éclaircir les reliefs et assombrir les creux. Donc du coup la vie là-dessus c'est pas l'idéal en fait pour faire ça. Après, les lasers ont Après vraiment tu vois. l'avantage de d'être faciles à utiliser en commençant, quoi. Mais après c'est ça, et en fait si tu utilises des lavis, tu auras quelque chose qui sera joli en fait, c'est pas la question. Mais après si tu veux passer un cran au-dessus et si tu veux vraiment comprendre ce que tu fais, pour moi c'est intéressant de travailler sans les lavis. Bah, d'ailleurs justement Mathieu qui est là dans le chat, il est venu à la maison et on a travaillé sans les lavis. Mais non, ça veut pas dire que les lavis ça sert à rien, j'en utilise moi aussi, notamment par exemple quand je veux faire une peinture plus rapide. Mais disons que c'est intéressant de comprendre aussi comment fonctionner sans les lavis. Parce que si tu comprends comment tu peux fonctionner sans, ça ne veut pas dire que tu ne peux plus les utiliser. Si tu sais faire sans, tu sais faire avec. C'est-à-dire Ouais, je qui vois. peut le plus, peut le moins, quoi. Alors donc là, j'ai fait ma couche de base, qui est très sombre. Hein. On est là sur quelque chose de très foncé. Peut-être même un peu trop. J'ai peut-être un peu trop chargé en. Un peu trop chargé en noir. Donc là, je vais commencer bah, à monter en fait en lumière, tout simplement. J'ai posé ma couche de base. En fait, c'est mon ombre la plus forte. Et ensuite, il faut progressivement monter. Alors, Ganouli, tu me dis, j'adore ton point de vue. Il me faut des tutos. Yes, bah écoute, sur ma chaîne YouTube, si tu veux, apprends la peinture sur figurine. J'ai pas mal de vidéos. N'hésite pas à aller jeter un œil, tu trouveras probablement des choses qui t'intéressent. J'ai aussi mon blog et sur le blog j'ai un petit guide gratuit que conseille pour débuter en peinture. Donc c'est juste à télécharger. Je vais essayer Pause. de diffuser ta Euh, et chaîne. en plus ça t'inscrit quand tu télécharges, ça t'inscrit à la newsletter du blog.
Et j'envoie une newsletter toutes les semaines. Des infos, des petites peintures, des trucs comme ça pour s'inspirer, pour se motiver. Alors bon, là, comme je disais, je vais commencer à monter mes lumières. J'ai mis ta chaîne. En fait, c'est mon ombre la plus forte. Ah, merci. Ouais, donc du coup, là, en fait, je vais monter en lumière. Donc je vais laisser vraiment mes ombres les plus fortes, c'est-à-dire, par exemple, là, les dessous du bras ou ce genre de choses, je vais le laisser dans cette couleur-là. Par contre, tout le reste, je vais vraiment le reprendre avec la couleur, donc le Indian Shadow, là, qui est très rougeâtre, mais sans l'ajout du noir. Donc ça me fait déjà un premier cran de clarté. Donc là avec la base que tu as fait, à la fin, tu penses avoir une peau très claire? Ouais. Ok, ouais, c'est que tu vas Ouais, vraiment mettre carrément. plusieurs étapes pour arriver jusqu'au clair, histoire d'avoir vraiment les zones très sombres et les zones beaucoup plus claires, quoi. C'est ça. En fait, si tu veux, en peinture sur figurine, pour que tu aies un rendu qui soit sympa, il faut quand même vachement forcer les contrastes. Alors là, comme je t'ai dit, j'y suis peut-être allé un peu violent, ça. Mais d'une manière générale, il faut vraiment quand même y aller très fort sur les contrastes pour que ça soit quelque chose qui... Sinon, tu as quelque chose d'un peu plat. Et tu vois, là, par exemple, sur le bras, finalement, je vais quand même chercher très très bas, en fait, avec cette nouvelle teinte qui est plus claire. Donc au final, il n'y a que vraiment le dessous, les creux dans le dessous. Tu vois, là, par exemple, ici, en dessous, il y a un petit volume, donc je vais quand même le reprendre, celui-là. Voilà. Première éclaircie, hop. Et tu vois, en fait, si tu fonctionnes comme ça, tu reprends des grosses zones, en fait, au fur et à mesure. Tu vas atténuer, tu vas réduire la zone de travail, et c'est comme ça que tu vas obtenir quelque chose qui sera très, très contrasté. Là, par exemple, sur le dessus de la tête, je ne me pose pas de questions, je repasse complètement. Sur l'avant du visage aussi, je repasse complet. Là, je m'arrête. En fait, tu sais, il y a une espèce d'arête sur le bord du crâne, là, sur les tempes. Ouais. Je m'arrête à cet endroit-là, mais sinon, sur l'avant, en fait, je reprends. L'intégralité avec cette teinte. Et en plus, l'avantage en fait de monter progressivement quand on prend l'habitude de monter comme ça progressivement en clarté, pardon, l'avantage c'est que si tu pars sur une sous-couche noire comme je le fais moi en général, bah, du coup tu as des couleurs qui sont plus sombres, donc qui marquent plus sur le noir. Et tu vas éclaircir progressivement. Et vu que tu éclaircis progressivement, en fait, au fur et à mesure, quand tu arrives dans tes couleurs les plus claires, bah, tu passes une ou deux couches max, et puis ça fonctionne quand même, quoi. Ouais, je vois. Et puis, Alors que tiens, si tu essaies de peindre du clair tout de suite sur du sombre, c'est beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans le chat? ouais, j'ai pas lu depuis un petit moment. Sinon, il donne des cours. Oui, en effet, je donne des cours. C'est gentil de le dire. En parlant de tuto peinture, on peut lancer un sujet polémique pour avoir l'avis de gens du métier. On choisira de répondre ou pas. Écoute, moi je suis pas dans le métier, Mais ouais, donc bien sûr, vas-y, cher Dice 666. Tu sens le mec quand même avec son 666. Il est pas là pour dire que des choses sympas. Tu vois. Il est là aussi pour toucher du doigt ce qui fâche. Il dénonce. Il est là pour dénoncer. Fais gaffe, il va parler de Et tes donc, tu tarifs. dis. Ouais, il peut y aller. Ouais. Mon gros problème depuis le cours chez Guillaume, c'est de savoir quand utiliser les shades. Alors, j'ai tendance à ne plus les utiliser, mais forcément, ça pousse dans ses retranchements. Mais quand on voit ce qu'il sait faire sans shade, c'est assez ouf. Bah, c'est gentil, Mathieu, merci. Mais tu vas voir, en fait, tu vas y prendre goût. Tu vas y prendre goût parce que tu. Un petit peu ce que tu fais et tout. Et puis, une fois que tu maîtrises le sujet, bah, tu peux reprendre des shades quand on a envie pour aller plus vite et tout. C'est hyper agréable. En fait, je trouve ça assez agréable de savoir que tu peux faire plusieurs choses. Ça ajoute des cordes à ton arc, on va dire, et du coup, c'est vraiment hyper intéressant. Donc là, du coup, je continue, hein, Vas-y, moi pour l'instant continue à monter en clarté. je suis utilisé des petits détails là Je vais te sur. demander ce que tu fais parce que du coup, je suis en train un petit peu de monopoliser la parole. C'est vrai Mais que non quand on mais. me lance sur la peinture, du coup, Mais je écoute. parle, je parle, je parle. Donc, n'hésite pas, hein, à nous dire ce que tu fais toi Tu es aussi. passionné et tu es passionnant. Voilà. Tout ce que je peux te dire. Mais non, en C'est fait, gentil. là je fais des petits. Je fais des petites zones, en fait, j'ai des petites zones, tu vois, totalement noires. Du coup, je le faisais en attendant parce que là j'ai un peu le problème de.
En fait, j'attends que tu arrives sur tes dernières phases de peinture. Oula, je fais gaffe, j'ai mon casque qui frappe. J'arrive un peu sur. Parce que j'ai pas. Enfin. Là, les derniers, je crois que j'en ai deux à peindre avec les peaux claires. Et du coup, j'aurais voulu m'entraîner sur celle-ci avant de passer sur les autres. Donc, je voulais vraiment voir les dernières phases, là où ça va être un peu plus. Bah, là où j'en suis par rapport à la figurine actuelle. Ouais. Parce que je t'avouerais que je pense pas avoir la patience de faire ce que tu fais, c'est de partir sur une peau ultra sombre pour. Non mais en vrai c'est pas si long que ça en fait. Là c'est long parce que bah, je parle mais ça se fait assez vite. Enfin, tu le fais assez vite. Derrière... Ouais. Moi, j'y passe un Non mais week-end. c'est vrai. Non mais en plus je suis pas particulièrement rapide hein, comme peintre. Des mecs comme Girio ou quoi qui tartinent comme des fous là. Là, la dernière, c'est quand? C'est hier, je crois. Il y a Nico Prime qui nous a mis un truc sur sa page Facebook qui nous dit ah ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai mis 2 heures par figurine. J'étais en mode bah, t'es sérieux quoi, 2 heures par figurine. Genre, le mec, il nous a sorti des trucs. Enfin, alors après, il les a prises d'assez loin parce que j'imagine que ça reste du tabletop. Donc, bien évidemment, le tabletop, quand tu fais des gros plans, c'est pas très gratifiant. Ça rend pas honneur à la figurine, mais c'était quand même assez fou, quoi. Alors, tac, 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 on en était où? La taille de la figue entre en jeu pour ça. Ouais, carrément, pour les lavis, ouais, moi j'aime pas utiliser des lavis sur des grosses figues, parce que je trouve que ça fonctionne pas bien. En fait, c'est surtout, moi, j'aime bien utiliser les lavis sur les zones qui sont très texturées. Sont très texturés, ça répond hyper bien au lavis. Par contre, si c'est pas texturé, ça y répond pas bien. Et la peau, par exemple, c'est pas forcément hyper texturé, donc c'est pour ça que j'aime bien monter comme ça en clarté progressivement. Dice qui nous dit just Dice 66 parce qu'au moment de l'inscription Twitch, plein de gens m'avaient copié, donc il a fallu que je choisisse un numéro. Yes. Mathieu, sur une petite figue, mieux vaut utiliser des shades. Oui, ouais, bah c'est ce que je viens de dire. Du coup, c'est vrai que ça s'y prête plus en fait les petites figues. Polémique, c'était savoir ce que vous aviez pensé du Ulule, l'art de la miniature de monde et des polémiques qui en ont découlé. Un vieux sujet, je conçois, mais toujours pas clôturé. Bah, en fait, moi, je me prononce pas sur le sujet parce que j'ai pas assez d'informations pour avoir un avis. Pas Alors, pledgé, j'ai rien fait, je donc en sais fait, pas. c'est ce qui ça me concerne pas en fait. Je connais pas le Je sujet. Est-ce que voulais toi tu connais? approcher. Parce que moi, ça me dit rien du tout. Bah oui, alors en fait. Enfin, je connais le sujet de très très loin, c'est-à-dire que Mohand a fait un livre qui s'appelle L'art de la miniature, qu'il a vendu Ulule, c'était un projet Ulule. Ouais. En fait, ouais, ciao Mathieu, merci d'être passé. En fait, il a vendu ça et comment? Bah, en fait, le problème c'est que il a été plus ou moins accusé d'avoir. De pas avoir été clean en fait sur certaines choses, d'avoir mis des noms de personnes dans le livre alors que c'est des gens qui n'avaient pas participé, qui n'étaient pas au courant, d'avoir pompé sur le grand livre de la peinture sur figurine, tout ça. Donc bon, c'est clair que c'est des choses qui lui sont reprochées, qui sont pas cool quoi. D'accord. Après moi j'ai pas d'avis sur le sujet parce que bah, j'ai suivi ça de loin, donc bien évidemment si tout ce qu'on dit est vrai, c'est pas cool de sa part. Font pas après je trouve aussi que bah, malheureusement c'est alors encore une fois enfin c'est ce que je viens de dire je pense c'est-à-dire que si c'est vraiment ça qui s'est passé bah, c'est pas cool et c'est normal que les gens laissent pas passer maintenant est-ce que ça justifie l'espèce d'acharnement médiatique qu'il y a pu y avoir voilà, je sais pas je suis pas convaincu parce que le mec il a quand même été je trouvais que ça faisait un peu trop chasse à la sorcière. Bon, si le mec il a fait des conneries, bah, les gens portent plainte, enfin ça va à la justice, et puis la justice décide, et puis voilà quoi. Il y a un moment, la justice est là pour ça, donc bon. Notre domaine, c'est un domaine de passion. Il n'y a pas besoin de venir rajouter des polémiques et Ouais, c'est un des peu trucs dommage comme ça, tu vois. d'avoir entaché la passion avec une polémique à la con, quoi. Ah ouais, c'est ça. Et puis en plus, enfin, après, t'as toujours des gens, ça leur fait plaisir de faire enfler la polémique et tout. Bon, c'est leur délire. Moi, c'est pas trop mon truc. Puis encore une fois, voilà, je suis très loin de ça, quoi. Je veux dire, ça me concerne pas. Alors pour les gens que ça concerne, forcément, je comprends que ça soit difficile
à accepter et que ce soit quelque chose qui les a particulièrement touchés. Et j'avoue que moi, maintenant, je le vois d'autant plus en tant que peintre pro, quoi. C'est clair que si quelqu'un utilisait mon travail sans me demander, sans me rémunérer pour vendre quelque chose, bah oui, je serais pas très content. Tu vois, ça me rappelle, j'avais vu un autre sujet comme ça, d'un... Alors, c'était pas dans la peinture, mais c'était dans le dessin, d'un mec qui avait sorti un... Alors, je crois que c'est juste qu'il avait sorti un bouquin. Il me semble que c'était un influenceur de base. Il avait sorti un bouquin sur, voilà, ses techniques de dessin, etc. Et en fait, ça avait fait un peu une Ouais. polémique dans le même style, parce que les gens trouvaient que sur les dessins, en fait, enfin, que son bouquin était inspiré de beaucoup d'autres choses. On retrouvait des techniques que d'autres avaient déjà fait, etc., etc. Et enfin, déjà c'est compliqué sur un truc pareil, des techniques que tout le monde utilise, à qui elles sont, etc. Enfin, si je me Mais dis en qu'on... fait, pour moi, une technique appartient à personne, quoi. C'est ça le truc. Ouais, c'est ça. Enfin, si toi... Enfin, après, peut-être qu'il l'a pas appris, tu vois. Enfin, c'est peut-être deux mecs complètement qui n'avaient rien à voir, qui ont trouvé la même technique en bossant chacun chez eux, parce que enfin, je pense que quand tu bosses dans un milieu, que ce soit le dessin ou la peinture, forcément, t'as des mecs qui vont avoir les mêmes idées à certains moments, quoi. Donc c'est pas facile. Je pense que c'est vraiment un truc... C'est vraiment des sujets Je où pense que ça c'est va dur même de plus jauger, loin quoi. en fait. Ça va même encore plus loin que ça. C'est-à-dire que je veux dire, tu prends les grands noms, par exemple, aujourd'hui, prenons là, ben, on peut rester sur le dessin, la peinture sur figurine, tu prends les grands noms. Un Angel Giraldès, par exemple, qui est quand même un grand monsieur de la peinture, ou un Jérémy Bonnamant, ou ce genre de personnes, tu vois, ils ont écrit des bouquins. Où ils présentent leur technique. Et en fait, si ça passe, c'est aussi parce que bah, ils se sont fait un nom progressivement, petit à petit, et du coup, ils sont reconnus en tant que. Donc, les gens les considèrent comme légitimes pour expliquer ces techniques-là. Après, c'est pas forcément leur technique. Enfin, je veux dire, ils ont appris avec quelqu'un. Ils se sont nés avec un pinceau dans la main, en sachant peindre comme des dieux, tu vois. Oui, je sais Donc, que à un moment donné, tu apprends toujours de quelque chose, tu apprends toujours quelque part en fait, et ça devient pas comme ça. Même quand tu es autodidacte aujourd'hui, ça veut dire que tu t'es formé en regardant YouTube, en gros, tu vois. Ça veut pas dire que tu as inventé ta peinture. Alors après, tu peux avoir un style qui t'est propre, tu peux privilégier certaines techniques, tu peux les modifier, tu peux te les approprier. Mais si quelqu'un écrit un livre où il explique, compris comme il l'a compris, comme lui il le pratique avec ses mots à lui, bah, il n'a rien à se reprocher, le mec, tu vois, il a bossé en fait. Donc, Oui, évidemment. C'est ça qui est un peu... Enfin, ou un Guillaume, j'ai pas compris, ou un Guillaume de quoi? je pense que c'est quand tu parlais des grands noms de la peinture. T'as Oula! sorti quelques noms et je crois que c'est à ce moment-là où il a mis le message. Ouais, ouais. Ouais, ou pas du coup. Calmons-nous quand Écoute, même. on a chacun nos références. Hein. J'aimerais. Ah non, Et Guillaume, pour nous, est si une un jour référence. je. Bah écoute, c'est tant mieux. Non, mais après. Non, mais je pense qu'il faut savoir replacer les choses dans leur contexte quand même. Tu vois, enfin, j'apprécie toujours quand on me dit que ce que je fais, ça plaît et tout. Tu vois, je veux pas faire de fausse modestie ou autre. Je pense être assez. Conscient de ce que je sais faire, de ce que je sais pas faire. Forcément qu'on me compare à du Giraldez ou du Bonamant, parce qu'il y a 150 divisions entre nous. Donc, ouais. Mais c'est très gentil de. Malgré tout. Ce qui nous dit, pour revenir au sujet peinture du jour, pour bien débuter, vaut mieux commencer avec une grosse figurine ou de la petite taille. Alors j'avais fait un article sur le blog justement. Exactement sur ce sujet, sur comment choisir sa première figurine ou ses premières figurines. T'es pas obligé de commencer avec une seule. Mais du coup, pour moi, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Le premier, je dirais, c'est surtout la qualité de la sculpture. Parce que Être que il d'accord. y en a trop souvent, en fait, les débutants se disent, oh bah tiens, je vais prendre une petite figurine un peu pourrie, pas chère. Puis je vais voir ce que ça donne. Et puis en fait, bah, vu qu'elle est pourrie pas chère, c'est une tannée à peindre. Donc du coup, tu prends aucun plaisir, tu te dégoûtes et t'arrêtes. Voilà.
première chose. La deuxième chose qui me semble importante, c'est que la figurine soit pas trop détaillée. Parce que qui dit figurine détaillée, dit beaucoup de temps en fait à passer sur la figurine. Or, quand on commence, on a quand même envie que ça aille un petit peu vite, ou en tout cas qu'on ait des premiers résultats assez rapidement. Sinon, si on n'en voit pas le bout, c'est un peu voilà, c'est un peu décevant et décourageant, on va dire. La troisième chose, en effet, c'est la taille de la figurine. Donc pour la taille de la figurine, je recommande standard, on va dire entre du 28 mm et du max 50 mm, tu vois, pas plus. Parce que le problème, en fait, c'est que les grandes figurines, c'est compliqué à peindre aussi, dans le sens où qui dit grande surface, dit grand dégradé pour que ça soit bien fait, pour que ça ressemble à quelque chose. C'est un peu plus exigeant d'arriver à faire des dégradés sur des grandes figurines. Je sais pas ce que tu en penses, Clément. Je suis assez d'accord que le choix de la figurine va vachement impacter le rendu, le résultat. Parce que enfin, y a pas à chier quoi entre un mec en armure, je te prends une connerie, un Stormcast, où tu vas avoir trois couleurs différentes, et un personnage, bah, peut-être comme pas forcément comme celui que t'as, mais même tu vois par exemple celui que tu as, qui va avoir la peau, déjà une peau, les peaux c'est pas facile pour commencer, c'est un gros bordel. Je suis totalement d'accord aussi sur la sculpture, c'est-à-dire que pour avoir peint des fois des trucs un peu dégueulasses, surtout quand tu veux utiliser des fois les mêmes peintures. Moi je sais que j'ai, bah, par exemple j'utilise que les figurines citadelles, enfin les peintures citadelles pardon, et quand j'ai peint mes zombies de zombicides, qui sont parfois des très très moins détaillés. Bah, tu vas te rendre compte que ça passe pas du tout, ça va faire trop dégueulasse. Bon, ça peut passer pour du zombie, mais Toutes les bon. précautions que tu prends pour dire ça, alors disons-le clairement, les figurines surtout les premières saisons, hein, les figurines de zombicide étaient affreuses, hein, d'un Non, point de vue franchement, ouais, peinture, je c'était. Ouais, parle. non, mais enfin, même en termes de Tanné. sculpture, c'était pas fou, quoi. T'avais beaucoup de défauts, t'avais Oui, des non, mais quand je dis postures. pour la peinture, c'est justement, oui, c'est la sculpture Ouais. était pas du tout faite pour peindre, quoi. C'était de la figurine de jeu à proprement parler. C'était des jolis pions, quoi, en fait. C'est exactement ça. J'ai un pot qui est tout sec et ça me fait bien chier parce que j'en avais besoin. J'essaie de mettre un petit peu d'eau et. Les peaux citadelles qui sèchent. Ah, mais alors, autant j'aime bien la peinture, pour mon niveau, je pense que effectivement pour ton niveau, je comprends que tu sois un peu moins fan. Autant les pots, mais qu'est-ce que c'est de la merde? Je pense que. Déjà, en fait, ça sèche vite. Ça flingue les pinceaux. T'en as toujours qui remontent dans le capuchon, là. T'arrives même plus à le fermer au bout d'un moment. Ouais. Enfin bref, En fait, c'est c'est vraiment. atroce. C'est des fois injuste parce que j'ai vraiment des pots. Et alors, je me demande si c'est pas les couleurs. Parce que je sais plus c'était lequel, je crois que c'était Pink Aurore. Enfin, j'ai une couleur rose. Enfin, c'est un rose. Un violet rose, un peu foncé. Et je l'ai acheté. Donc, la première fois que je l'ai acheté, il avait séché parce que le pot ne se fermait mal à l'arrière. Et quand je l'ai Ouais. repris, ça m'a fait exactement la même chose. Alors que j'en ai d'autres qui sont totalement clean, sur lesquels j'ai jamais de soucis. Je me dis, mais putain, c'est vraiment de la merde. Et je pense Je que si pense que c'est demain. des Tu vois, si par exemple ce week-end, là où ils ont un peintures, tu sais, qui preview. sont un peu blanches. Les peintures claires, en fait, elles ont tendance. Je sais pas si c'est parce qu'il y a des pigments un peu blancs dedans ou quoi, mais les pigments blancs sont un peu plus épais, ça Bah sèche oui, plus vite, c'est comme la sous-couche épais, blanche tu vois, c'est. Citadelle. Je la déconseille à tout le monde. Mais ouais, tu vois, si ce week-end, là, dans leur week-end de preview, là, ils vont annoncer des trucs. S'ils annoncent des nouveaux pots plutôt que des figurines, je suis limite le mec le plus heureux du monde, quoi. Mais ils le feront pas, ça fait trop parler d'eux en fait. Limite, c'est devenu un running gag, tu vois. Les pots de Plus à merde. voir que les gens pètent des câbles. Mais j'avais vu un mec Tu vois, qui. regarde, on commence à être déjà plus clair, hein, sur la peau. Ah, ça commence. Et encore, c'est quand même. Tu vas avoir de la couche, hein. Mais non, tu dis ça parce que t'es en colère, mais. Oui, parce que je suis jaloux. Je dis ça totalement par jalousie. Mais ouais, putain, ouais, J'ai enfin, pas regardé j'ai vu moi des mecs depuis acheter des pots 2010. sur Wish. Et qui changeaient leur peau de citadelle vers des petits pots de peinture Wish qui ressemblaient vachement, Ah je oui. crois, aux pots Army Painter en termes de forme. Alors, bah, sans partir sur Witch, du coup,
pas trop du genre à partir sur ces sites, tu sais, Ah oui, Wish ou AliExpress, je sais plus c'était lequel des deux. à l'étranger, machin, tout ça, Wish, AliExpress, même Ouais. Amazon, tout ça, c'est pas trop mon délire. Il me semblait que Philibert en faisait, des pots vides, mais il y a Dimitri Minisocle qui en fait, et ça, j'en suis sûr. Vraiment les mecs qui ont trouvé le, tu sais, moi, de... Bon, ils font des bonnes peintures, mais par contre, ils sont pas foutus de faire des pots. On va s'en occuper. D'ailleurs, pour tout ce qui est peinture, socle, tout ça, allez voir sur la boutique de Dimitri Minisocle, elle est bien foutue. Il y a des choses intéressantes. C'est un mec alors que je connais pas personnellement, mais qui a l'air d'être très sympa. En tout cas, il a une chaîne YouTube qui est très intéressante. Il fait des super vidéos. Le peu de fois où je lui ai parlé, il a été très sympa. Je me rappelle à l'époque, ça fait des années maintenant, j'avais commandé des trucs. La première fois que j'ai commandé des trucs sur sa boutique, j'avais commandé des trucs pour faire des socles et tout. Je suivais un peu ses tutos, machin. Je lui avais envoyé un message pour savoir ce qu'il en pensait, s'il pouvait me filer des conseils et tout. Il avait pris le temps de me répondre et tout. Donc, Ouais, super. c'est un mec assez sympa, je trouve. Dimitri Figurine, c'est Ça ça? fait marcher Dimitri Minisocle. Minisocle, pardon. Dimitri C'est alors Minisocle. la boutique, c'est Minisocle. En fait, c'est Dimitri, c'est son nom à lui, mais Oui. et c'est je crois sur Facebook qu'il s'appelle Dimitri Minisocle, mais c'est comment sur YouTube c'est Minisocle et puis la boutique c'est Minisocle. Ok. En fait, il y a deux choses, il y a le blog et il y a la boutique. Et du coup, j'aime bien aussi voilà, passer par des petits indépendants comme ça leur fait C'est un français, je suppose. un peu de chiffre. C'est français ou pas du Tout à tout? fait. Ouais, c'est français. C'est bien de faire fonctionner Français, l'économie ouais. française. Et ouais, non, mais c'est en vrai, c'est aussi pour ça, tu vois, c'est un cumul. Tiens, petite question. Qu'est-ce que tu peins pour toi en ce moment? Enfin, de quel jeu? Sur quel jeu tu peins en ce moment pour toi? Est-ce que tu peins pour toi déjà? Tu vois, justement, La bonne question. non. Ouais. C'est la première fois depuis au moins 2 mois que je pose un pinceau sur une figurine qui est à moi. Voilà. Je n'ai pas le temps. Y a pas... Et ça va, t'es À pas chaque fois que je trop. peins, c'est pour des commandes. T'es pas trop frustré de peindre pour quelqu'un Frustré? d'autre? Alors, je suis pas frustré de peindre pour quelqu'un d'autre, je suis frustré de pas avoir le temps de peindre pour moi. Ouais. Parce que moi je peux te dire J'ai des que... figurines comme ça qui traînent et j'en ai plein en fait. J'en ai plein. En fait, pour tout te dire, quand je me suis lancé à mon compte, je me suis dit, bah écoute, au pire des cas, vraiment au pire, si ça marche pas du tout, ça sera l'occasion pour moi de peindre toutes les figurines qui sont dans mes placards et qui attendent depuis des années, tu vois. Ouais, je connais Eh ça. ben, j'ai la chance de ne pas avoir eu cette opportunité. Ouais, ça Donc, c'est cool en tout cas, parce que je clairement, pense que ça a je dû vais être un peu, absolument pas m'en plaindre. ça a dû être un peu flippant entre guillemets de se lancer là-dedans, à boule au ventre de pas Un petit savoir si peu, ça allait oui. bien marcher et au final, success story. Ouais, c'est non, on peut pas encore parler de success story, mais pour l'instant, en tout cas, ça se passe bien. Pour Ça c'est chouette en l'instant, tout ça cas. se passe bien. Maintenant, il faut que j'arrive à développer encore tout ça, développer ma formation en ligne et tout pour avoir un revenu régulier et décent. Mais bon, là déjà j'ai des commandes, j'ai plein de gens qui me consultent pour des cours et tout, c'est hyper sympa. C'est D'ailleurs, je chouette. préfère les cours aux commandes de peinture. Ce que je préfère, c'est échanger avec les gens. Alors, t'as une Alors, question? Moi, je crois que tu l'as vue. tout désormais à peindre pour tes clients ou plutôt des grosses pièces. Bah, j'ai un peu les deux en fait. J'ai un peu les deux. J'ai, tu vois, en vrai, en ce moment, par exemple, j'ai été contacté pour peindre des pop custom. J'ai été contacté pour peindre des impressions 3D. Et là, j'ai été aussi contacté. Là, j'ai une commande pour du Rising Sun.
Ah oui, très joli, il a J'ai fait plein de aussi. résines. Vas-y, je te laisse 2 secondes, je reviens. Ouais. Et là, la commande que j'ai laissée, la commande que j'ai que la personne est venue récupérer aujourd'hui, c'était due à Custodes. Donc tu vois, il y a un peu de tout. Par contre, je sais pas si, vous pouvez me dire dans le chat si j'ai frisé ou pas. J'ai l'impression que j'ai frisé sur Twitch. Pas si Clément, quand tu reviens, tu peux me dire. Freeze, ok. Mais du coup, vous m'entendez quand même. Excuse-moi, j'espère que ça n'a pas fait de bruit, mais voilà. Bah, je sais pas. Avec Clément, du coup, parce que c'est quand même un peu lui, le master of the régie. Alors, qu'est-il Apparemment, j'ai demandé? freeze. Ah Ouais, merde, j'ai ça se freeze en trouve. fait et je sais pas pourquoi. Ça doit être moi, à tous les coups, j'ai dû fermer la... Enfin, baisser la fenêtre, je pense. Ouais, c'est ça. C'est ma faute, autant pour moi. J'ai dû abaisser la fenêtre Et bah, Discord. bon, si c'est que ça, c'est que ça, tant mieux. Être pas mal là. Ça commence à ressembler à quelque chose. Effectivement, là oui, on arrive T'en penses? sur du bien clair. Ça commence à se ressentir. Et là, du coup, alors, tu vois, je vais refaire ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé avec du Indian Shadow plus du noir. Ensuite, du Indian Shadow pur. Ensuite, j'ai mis sur ma palette du Pink Flesh. Donc, un truc peau, un peu. Ça ressemble, je pense, à du. Je connais pas les peaux citadelles, mais. Ouais, je vois, si, c'est très proche Sur du. C'est quoi, c'est le Cadian Reflector, Flash? ça fait un peu du Barbarian Flesh. Cadian Flesh, oui, ça doit Ouais, être c'est ça, ça. ouais. Ouais, c'est un peu plus rosé, je pense, que ça. Peut-être, ouais. Et du coup, donc là, j'en étais là. Donc, j'ai d'abord fait un mélange entre du Indian Shadow et du Pink Flesh, puis ensuite, j'ai fait du Pink Flesh pur. Maintenant, je vais passer à du Golden Skin. Donc là, on passe sur quelque chose qui est plus jaune. En général, dans les gammes Citadel, tout ça, ça correspond à du Elven Skin ou du Elf Skin, Ouais, effectivement, les Skin peaux très Tone proches. Elfique Bah, ou du je dois je ne sais quoi. l'avoir. Mais en général, c'est quelque chose qui est un peu elfique, quoi. Oula, c'est encore rouge ça. Ces pinceaux mal séchés, enfin mal essuyés plutôt. Ah non, j'ai mis trop de rouge dessus. Et donc là, tu vois, toutes les teintes que j'utilise, c'est que du kit color, le kit peau. Vraiment, je trouve super. Depuis que je l'ai, tous mes autres pots de peinture peau, C'était un seul kit de ils me peinture sont. où t'avais toutes les... Ouais. Tu sais, en fait, il y a pas mal de marques qui font ça maintenant. T'as Gunst of World, Scale. Je crois que Valero, ils en font aussi. C'est des kits en fait spécifiques pour faire de la peau, du NMM, donc du NMM doré, du NMM argenté, pour faire du bois, pour faire du cuir. En général, les teintes sont quand même bien pensées. Alors après tu pourras avoir la sensation d'être restreint, tu sais, de faire toujours les mêmes recettes. Faux, mais ça t'empêche pas de prendre des libertés, tu vois. Et après, c'est à toi de faire tes Mais mix, c'est vrai qu'en de plus. choisir les couleurs que tu vas prendre, etc., C'est quoi. ça, ouais. Puis bon, moi, vrai que d'un point de vue professionnel, c'est intéressant aussi d'avoir des trucs avec des recettes comme ça, entre guillemets, toutes faites, quoi. Oui, tu m'étonnes. Dans le sens où tu sais, tu vois, une fois, en fait, ça veut pas dire que tu te limites à exactement la recette qu'on te donne et tu l'appliques bêtement, tu vois, mais tu te fais tes tests. Une fois que tu as trouvé une recette qui te plaît, tu te la notes. Et puis une fois que tu l'as notée, tu la maîtrises. Et puis tu peux la reproduire plus facilement, vite, quoi. Parce que bah, évidemment, quand tu peins en tant que pro, l'objectif c'est de peindre le plus vite possible, en fait, tout simplement. Ouais, ça va, ouais, par contre, ça va être peindre vite et bien. Ça va pas être évident. Ouais, ça s'apprend. Alors l'avantage, c'est que du coup, moi, j'ai vachement gagné en vitesse de peinture. Oui, tu m'étonnes. Alors les gens qui doivent me regarder Dis-moi, peindre, je sais pas s'il y en a est-ce qu'on beaucoup, voit parce que vraiment la différence? je pense qu'entre toi et moi, à mon avis, il n'y a pas grand monde qui me regarde. Oui, je tiens mes figurines et mes trucs dans des positions particulières, des fois, pour accéder à certains points. C'est normal.
Moi, je fais pareil, hein. C'est parce que tu t'es concentré sur ta figurine et du coup tu vois pas la mine, mais la mine elle fait des saltos, hein. Ouais, ça me rassure alors, je suis pas tout seul. Parce que... En vrai, c'est même conseillé si tu veux. Il vaut mieux bouger la figurine plutôt que de te contorsionner le poignet avec lequel tu peins parce qu'en fait tu as une position dans laquelle tu es le plus confortable pour peindre et il faut mieux la garder. Oui, effectivement. Si tu changes la position de ton pinceau, finalement, tu es beaucoup moins précis en fait. Changer la position de la figurine. Ça, Bon, tu ça gardes la va. précision. Je fais les bons trucs sans le savoir. Ça c'est chouette. Alors, j'ai un peu de métal par là. Parce que là, j'essaie de reproduire au maximum la peinture officielle sur ce que j'utilise là. C'est pas évident, évident. C'est pour ça peut-être que moi Schéma. je suis le schéma. En fait, je suis pas tout le temps le schéma. Tu vois, par exemple, sur mes Daughter of Kain, j'ai pas suivi le schéma. Et c'est pas que je regrette, mais c'est que des fois c'est compliqué de. En fait, des fois je me retrouve à ne pas peindre une figurine parce que je ne sais pas quoi faire. Parce que en fait, pour que mon schéma. Ah oui. Par exemple, tu vois, je te donne l'exemple, j'ai fait les. Donc, Daughter of Kain, je sais pas si tu vois les femmes moitié serpent là. Que Ouais. j'avais peint tout Oui, t'en ça. avais parlé sur un live. Ouais, j'en avais parlé, je crois, sur le tout premier Entre-deux-guerres, j'en avais parlé. Donc, j'avais peint ça, j'avais fait mon propre schéma de couleur, parce que je les voulais avec la partie serpent en vert, etc. Donc, je m'étais démerdé, j'avais trouvé un petit schéma qui me plaisait bien. Et là, cette année, je me suis acheté Morati, donc la grande chef de ces Daughter of Kain. Et j'ai Ouais. commencé à peindre sa forme serpent. Et en fait, elle n'a pas les mêmes choses sur Vénère elle. là. Ouais, la grande forme vénère, faut pas la faire chier. Et en fait, je me suis retrouvé bloqué sur certaines parties à ne pas savoir comment les peindre parce que ça aurait pas rendu beau. Et du coup, il fallait que je trouve comment adapter mon schéma de couleur pour que ça reste proche de ce que je fais, mais que ça s'adapte bien à ce truc-là. Et franchement, des fois, bah, c'est une galère, clairement. J'en chie de ouf Galère pour choisir tes couleurs? pour bien choisir les couleurs. Et ça, enfin, pas forcément que les couleurs, mais. Qu'est-ce que je vais peindre et où? Tu vois, par exemple, là, une robe, est-ce que je vais peindre. Parce que, par exemple, sur les filles serpents que j'avais, les petites, elles n'avaient pas de tissu. Il y avait un seul petit manche, un petit espèce de fagnard en tissu qu'elles avaient, que je les avais peint en violet rose, et ça passait très bien. Sur le vert, ça allait très très, très bien. Et en fait, elle a une très grande robe qui la recouvre quasiment entièrement. Mais si je faisais ça dans la même couleur, ça aurait pas du tout été en fait avec le reste de la figurine. Donc tu vois, faut que j'arrive à adapter ça sur cette figurine-là, etc. Et c'est ce moment-là où je me dis, putain, j'ai envie de peindre, mais je ne sais pas quoi faire, du coup je ne peins pas. Et je me dis, j'aurais mieux dû suivre un schéma de base, je me serais moins fait chier, quoi. Ces petits regrets. Après, c'est bien, je pense, d'apprendre en fait, d'apprendre à choisir ses couleurs et à choisir la couleur en fonction de la zone que tu es en train de peindre. Tu as des petites astuces comme ça, tu sais, tu peux changer la saturation plutôt que de changer la couleur. En général, quand on sait pas, on se dit de quelle couleur je vais peindre. Et ça, pour moi, c'est une erreur en fait, parce que tu n'es pas obligé de changer la couleur. Il suffirait Souvent, de la changer la saturation, la texture. plus sombre, plus clair. Donc. Ouais, mais pas forcément que plus clair. Tu vois, tu peux faire quelque chose qui est beaucoup plus grisonnant. Pour ça, de rajouter un petit peu de gris, de la même clarté, ou alors tu rajoutes un peu de la complémentaire. Ensuite, en fait, ça va maintenir ton schéma cohérent, tout en étant différent, en fait, tout en ayant une couleur qui est différente. Ouais, franchement, Et c'est. c'est une méthode qui est intéressante à garder en tête. Enfin, au final, je m'en suis vite fait sorti. J'ai pas encore fini de la peindre, mais je sais à peu près ce que j'ai à faire partout. Tu vois, moi, j'ai passé beaucoup de temps sur Instagram à regarder un peu ce que les gens avaient fait et essayer de m'en inspirer. Parce que, justement, des fois, je suis tombé sur des mecs qui avaient des schémas de couleurs proches de celui que j'ai fait sur mon armée. Et tu sais, je me rendais compte que ça n'allait pas du tout, en fait. Si je respectais sur certaines figurines, ça ne passerait pas. C'est là où je me dis, bon, faut que je trouve une autre solution. Faut que je trouve Ouais. une petite astuce pour me sortir de cette merde, tout simplement. Et je crois que j'ai quand même Bien. réussi à m'en sortir. Et je sais que des fois, je peux passer plusieurs mois
à réfléchir juste à comment je vais peindre ma figurine. Et c'est là où je me dis, c'est chiant, parce que j'aurais gardé le schéma de base, j'aurais pas dû réfléchir là-dessus, et j'aurais pu peindre assez rapidement, et avoir plus rapidement, en tout cas, Ouais. un résultat, quoi. Sinon, après, s'il y a une partie que tu sais pas comment peindre, tu peins en gris et puis voilà. Hein. Ou en noir. Bah, tu sais que sa En robe va noir et finir blanc. en noir au final, mais j'avais trouvé une figurine où le mec avait fait. Non, non, mais je dis pas ça que en rigolant. Hein. C'est le gris, c'est sympa parce que ça va avec tout en fait. C'est pas une couleur, donc du coup, tu peux pas faire d'erreur avec ça. Bah là, je sais qu'elle va se finir avec les ailes noires, avec des reliefs verts, pour ramener un peu sur sa Ouais. couleur verdâtre de base. La robe sera en noir, éclaircie sur du gris. Et je fais revenir les couleurs que j'avais mis sur les robes, sur tous ses bijoux, parce qu'elle a pas mal de bijoux sur elle, de rubis. Et du coup, ce sera les rubis qui ramèneront cette couleur-là. Ouais. Mais tu vois, il m'a fallu du temps Ouais, carrément. pour regarder la figurine, me dire, bon, putain, qu'est-ce que je vais faire? Faut que je garde mon schéma, faut que je trouve une Pire, inspi. pourquoi t'es... Enfin, tu peux aussi essayer, et puis si ça marche pas, bah, tu changes, et puis voilà. Alors, vu que c'est une figurine Alors, qui attends, est. juste avant, on va peut-être rattraper le Ah chat. ouais, c'est vrai qu'on n'a pas lu. Il y a Dice qui nous dit, pense quoi de la qualité des figurines de Awaken Realms? Comme j'ai quelques-uns de leurs jeux, j'hésite à me lancer dans la peinture de leurs figues pour me faire la main. J'ai pas, franchement, j'en ai jamais eu vraiment entre les mains. Les seuls que j'ai vu passer, c'était les menhirs là, ou les monolithes, je sais plus comment ils appellent. Non, les menhirs, je crois, d'un de leurs jeux, j'ai perdu le nom d'ailleurs. Et ça avait l'air d'être plutôt pas trop mal comme qualité. Donc là, comme ça, sur ce que j'ai pu voir, ça me semble être plutôt pas mal. Donc oui, tu peux commencer avec ça. Je connais pas la Donc gamme. là, je ne sais pas si on voit bien la figurine. Voilà, tiens, regarde, qu'est-ce que t'en penses de cette peau pour l'instant? Il y a encore un petit éclairci à donner, mais... Ah, effectivement, on n'a pas le même talent. Hein. Parce que moi, Ah, c'est con. c'est quand même pas aussi beau. Non, mais tu vois, elle est pas Alors, si sombre que ça, ma peau. je la trouve. Alors non, et le dessus effectivement est très clair. Par contre, le dessous, je le trouve peut-être un peu trop sombre. Je sais pas si. Le dessous. Mais en fait, les Ici? parties. Ouais, c'est ça. Enfin, le dessous de ce qui est ombré, quoi. Je trouve vraiment peut-être un peu trop Ouais. sombre. Après, il faudrait peut-être le voir en vrai aussi, mais là, Peut-être. l'avantage, c'est que... Alors, sur les tempes, c'est un chouïa trop sombre. Ça, je vais le retravailler après. Là, je vais finir de poser mes lumières. Mais Non, par c'est plus, contre, tu vois, là, du coup, le. l'avantage, c'est qu'avec ça, t'as un fort contraste. Ça, c'est cool. Ouais, par contre, effectivement, ça fait un très 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 gros contraste. Alors. Ouais, c'est peut-être plus le bras tendu, tu vois, où je trouve certaines zones peut-être trop sombres. Après, c'est mon avis, hein. Tu sais, avec mon petit avis de peinture, je critique un pro, moi, je suis comme ça. Ben non, mais en même temps, il n'y a pas de... Ça, c'est l'avantage. En fait, c'est pour moi, la peinture comme ça, c'est pas... Comment dire? C'est un peu comme... En fait, je vois ça un peu comme la cuisine. Tu sais, tu as les critiques gastronomes qui sont professionnels, qui quand ils goûtent une carotte, ils font 3 fois le tour de la carotte dans la bouche pour pouvoir te dire si c'est une carotte ou pas. C'est très bien, hein. Je critique pas ça. Je dis juste que pour moi, l'important dans la nourriture, quand tu manges un plat, c'est pas forcément que ça soit juste, que ça soit comme ci, comme ça, tu vois, c'est que ça te plaise au final. C'est vrai. Et donc, du coup, bah, la peinture, c'est pareil. C'est pas, y a pas, alors, oui, il y a des grandes règles à respecter. Et si tu te fais juger par des professionnels, bah, c'est comme en cuisine, tu vas avoir des choses qu'il faut que tu respectes, mais après. Chez toi, dans ton salon, pour toi-même, j'ai envie de dire, l'important c'est que ça te plaise, quoi. Donc, chacun a le droit d'avoir son avis. Après, tant que c'est partagé de manière constructive, il n'y a pas de. Je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de peinture pour avoir un avis. Et pour conseiller, peut-être, mais pour avoir un avis, non. Moi, je suis pas particulièrement. J'ai pas fait d'études en cinématographie. Tant quand je vais voir un film, je dis si je l'ai trouvé naze ou pas. Alors qu'on est pareil les auteurs, c'est pas faux. Ouais, c'est pas Alors, faux. il y a Kiyoshiro qui dit, je suis d'accord, l'intérieur du bras tendu D'accord. et la paume de la main est ultra sombre, mais c'est peut-être le rendu qu'on a qui fait ça. Effectivement.
Mais écoute. Après, de toute façon, c'est pas fini, hein. Faut ajuster encore, hein. Ah oui, c'est sûr. Mais au pire, tu vois, tu pourras nous faire un petit post sur ton Insta. Comme ça, on ira voir ça. Faudrait que je diffuse aussi, tiens, ton Insta, donc j'y suis. Si les gens veulent aller voir un peu tes œuvres. Yeux qui font des Voilà, je trucs. vais poster où je poste justement les custodes. Là, je les ai pas encore postés. J'ai pris les photos finales cet après-midi, là, juste avant que Mister vienne les récupérer. Et tu vois, sur la peau, tiens, il y a des trucs qu'il faut que je fasse. J'ai jamais osé jusqu'à présent, c'est que sur la figurine, ils le font et je me dis putain, pourquoi pas, vu que je reste très proche du modèle. Ils font des petits tatouages ou des petites marques qu'ils ont sur la peau. Ah ouais. Et ça faudrait que je me tente d'essayer de le produire. Évident, hein. Ça va pas être évident. Tout ce qui est friande, tout ça, c'est pas facile. Je te dis que c'est pas facile. Je te crois sur parole. Ouais, faut que je me. Faut que je tente. Je peux peut-être montrer, mais je ne montre pas. J'ai plus Vraiment, honte après, de toute que. façon, Hop. tente et que tu foires, bah c'est pas grave, quoi. Alors, moi j'en suis là pour l'instant. C'est-à-dire qu'il n'y a que des couleurs plates et pas de. Et rien d'autre. Ouais, bah alors c'est pas grave ça. Après, tu peux travailler au lavis, Ouais, mais c'est ça ça en fait, sera très bien. là je fais toutes les couleurs et puis après je vais faire les lavis au fur et à mesure des zones. Là vu que c'est en fait, je me suis permis de faire toutes les couleurs. D'habitude je fais plutôt genre toutes les zones que je vais faire avec le même lavis, je les fais toutes. Je passe le lavis, je fais les brossages, etc. Mais là vu que ce sont vraiment des zones très distinctes, c'est-à-dire que le noir est en bas, t'as son drapé rouge en haut qui est seul, etc. etc. Je me permets la petite. La peinture complète avant de Ah faire ouais, ça. carrément. Guillaume se fait cambrioler. Ouais, en fait, je vais fermer, je sais pas, il y a une... Oui, effectivement. Bon, de toute façon, après, là, je vais pas pouvoir rester encore Oui, de toute façon, plus on avait longtemps. dit jusqu'à 19h, donc tu as le droit de te barrer à tout moment. D'un coup, hop, déconnecté. C'était surtout pour un premier test. Ouais, ça nous a permis de voir. Moi, je dois retravailler un peu mon angle de caméra, trouver un meilleur moyen d'afficher le. Pour vous montrer les peintures, parce que voilà, vous voyez pas des masses chez moi. Après, pas que je me grouille. Mais là, j'ai une petite bande de. Ils sont combien? Ils sont 8 au total? Faut qu'il soit prêt pour vendredi prochain, pour le prochain rapport de Pour bataille. Ah oui, c'est vrai que là maintenant On t'es a quand. engagé avec Mathieu, là maintenant c'est fini, t'as plus le choix, là. Tu vas faire partie de ces gens qui vont devoir peindre vite. Ouais. Mais après je vais. Tu vois, j'ai passé en fait depuis ce week-end. J'ai peint un peu ce week-end. Je t'ai envoyé la peau là du perso que j'ai en main. Et en fait Ouais. depuis, je n'ai pas retouché un pinceau parce que j'ai passé mon temps à préparer tous les overlays pour l'émission. Mais maintenant que c'est prêt, je vais pouvoir être libéré de tout ça. Prendre le pinceau. Et prendre les pinceaux, prendre les armes pour pouvoir C'est avoir des. exactement la référence. Est-ce que là, pour avoir des jolies figurines pour jouer. Parce que maintenant que j'ai fait des jolis Cool. overlays, il faut que j'ai des jolies figurines. J'ai hâte de pouvoir venir dans la Mad Cave pour pouvoir partager tout ça avec vous. Ah bah ouais, franchement, ce serait génial. Tu vois, on avait plein d'idées avec Mathieu de choses à faire. Tu peux mettre deux personnes qui jouent pendant qu'il y a un troisième qui commente. Je pense que tout le monde peut venir. Enfin, que ce soit du jeu de société, du wargame. Alors que les luminettes de Clément passent à l'action. Exactement, et ça serait génial, franchement. Parler comme ça, je n'attends que ça. Les petits commentateurs. Pour essayer de peindre cette petite zone là. Hop là. Et je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser entre nous. Puis, bon après, faut évidemment que la loi nous le permette, parce que c'est un peu compliqué pour l'instant, évidemment.
Moi, je me permets, puisque bon, j'ai vécu avec Mathieu, je l'ai hébergé pendant 3 mois. Et c'est mon En frère, soi, mais. on a le droit de se voir. On a le droit, mais. Enfin, après, On a le faut droit de aussi faire se attention, tu vois, visiter. je peux comprendre que. Faut se déplacer et ne plus bouger après 18 h, quoi. C'est ça. Si j'ai bien compris. Bah, ça peut être compliqué, en semaine, tu te dis surtout que là, on fait ça le vendredi soir. Moi, après, je suis un petit peu moins dispo le week-end, donc c'est. Enfin, c'est. Entre guillemets, d'autres. Pas de problème, mais. Mais presque, quoi. D'autres choses à régler. Ouais. Tu vois, moi, je me suis. Là, j'avais un truc, tu vois, c'était. Je me suis buté dessus tout le début de semaine. C'était trouver un moyen pour que quand on est deux en train de jouer, avec le stream deck de Mathieu, pouvoir faire une comptabilisation de points. J'ai Sans vu avoir. passer les messages. Sans avoir à se faire chier. Alors j'adore Mathieu parce que je pense qu'il se rend pas compte de. Parce qu'il me dit, bah c'est facile, on fait ça avec le stream deck. Oui, mais. Enfin, le stream deck, ça te permet de changer d'une scène, mais tu peux pas lui dire avec un bouton d'aller faire un calcul dans un truc et ajouter. Donc j'ai profité de mes connaissances de mon taf pour me créer un petit programme pour faire ça en fait. Non, mais c'est bien parce que, en fait, avec Mathieu, comme ça, je sais que je suis jamais celui qui est vraiment le plus à la ramasse techniquement. Tu vois, je sais que je fais partie du peloton de queue, mais je suis pas le pire. Ah non, effectivement. JB, tu vois, je sais que les deux, avec les deux, là, on se tire un peu la bourre pour savoir qui est le plus nul. Mais tu sais, j'ai eu beaucoup de peine pour. Comment ça s'appelle? C'est Barricadé. Qui a dû gérer un live Ludic Squad il y a 2 semaines maintenant. Et c'est Ouais. Mathieu qui s'était occupé justement de lui dire quoi faire sur son OBS. Et en fait, Mathieu ne savait pas que tu pouvais importer la collection de scènes alors que j'avais tout mis On l'a dans. dit. Ouais, et pourtant Ouais, j'avais on tout l'avait mis dit ça. dans le drive, enfin dans un truc partagé. Il y avait tout qui était accessible. Et Mathieu lui a tout fait refaire de A à Z. Je me suis dit, putain, la pauvre. Mince. Parce que Mais du coup. non, mais c'est bien, ça en bisoute les nouveaux. C'est ça. Et bah, il va me dire qu'il l'a fait exprès. Ouais, t'as cru que t'arrives et que tu dis, bah tiens, moi je viens d'entrer jeu studio, la porte est ouverte. Bah non, 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 nous on bisoute. C'est violent comme bizutage en plus, hein. Tu viens d'arriver? Très bien. Eh bien, Alors, écoute. il y a Kyoshiro qui dit, tu peux bind une commande de count. Ok? Sur. Ah, que t'es bilingue, mon gars. Bon français, tu peux lier une commande de décompte. De décompte, ouais. Aucune idée. En fait, je n'ai pas de Stream Deck, Mathieu, là. Et donc, je ne sais pas exactement ce qu'il peut lancer dessus. Je sais que lui, il rattache. Enfin. Ça a l'air d'avoir un plugin, je pense, qui permet de rattacher à OBS et pouvoir activer des scènes à volonté. Mais en fait, le problème, c'était de pouvoir afficher à l'écran des zones texte sur lesquelles j'aurais pu justement faire des calculs, tu vois. Et en appuyant juste sur un bouton, ajouter dans telle zone une valeur. Alors, j'ai pas trouvé, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est tout con, c'est que sur OBS, tu peux mettre une zone de. Tu peux mettre une zone de texte. Texte que tu rattaches à un fichier texte qui est n'importe où sur ton PC, tout simplement. En gros, j'ai créé un fichier texte que j'ai appelé point joueur 1 et un autre point joueur 2, tout simplement. Et en fait, après, j'ai fait un petit programme qui, quand tu l'appelles, bah, il fait un plus 1 ou un moins 1 sur le fichier texte, tout simplement. Nous, on commence comme ça, mais avec les compétences techniques qu'on est en train de développer, les gars, dans 5 ans, on est les maîtres du monde. C'est clair. Dans 5 ans, on détourne les codes nucléaires. Moi, je vous le dis. On les revend sur Twitch. On fait À ces un. deux phrases, notre chaîne Twitch est surveillée par la CIA. C'est clair. On va encore se faire cut. Non, ça va, il n'y a que Games qui a le pouvoir de faire ça. Bah, apparemment, il y a aussi Cool Mini Or Not, hein, qui s'est passé sur la parole ludique. Ah oui, il s'est fait. Ah, faire attention alors. Et leur dernier live s'est fait carrément shoot, en fait. Ils arrivaient plus du tout, ils avaient plus de connexion, plus rien. Puis ils ont dû arrêter en cours, en fait. C'était. Non, c'est Ludic Squad.
Ah, c'était Ludic Squad? Ah, Hier. pardon, j'ai cru que c'était par Ludic. C'est Ludic Squad hier soir, hein. Ils ont pas réussi à. Ah oui, c'était Ils ont Ludic dû annuler Squad, la ok, pardon. diffusion. Alors, en Ah, fait, mais tu peux ça, c'est parce normalement que. bind une commande telle que des commandes Parce Twitch. qu'ils ont pas. Une commande de count et tu affiches Ah, le ils ont pas un résultat, niveau etc. sur la professionnel même. comme dans Entre-deux-Guerres, c'est pour ça. J'ai clippé ces deux phrases, ça servira au process. Ah, super. Coup de Vincent qui posait problème. Apparemment, c'était une connexion, ouais, qui posait problème. Bah, tu veux dire, non, on a Ouais. failli avoir le même problème parce qu'au début, tu ne pouvais pas live non plus. Ouais, ça va, ça suit plutôt. Vraiment que je change mon PC. De faire suffisamment de Twitch et de YouTube Money pour pouvoir l'acheter. Donc je pense que d'ici 452 ans, je devrais pouvoir m'acheter un PC. Et tout ce que je gagne d'ici 452 ans, je serai équipé comme jamais. Équipé comme Jaja. Du coup, moi, ma peau, elle me plaît bien comme ça pour l'instant. Je ferai peut-être des retouches plus tard. Écoute, je Je les suis ferai impatient une fois que de. j'aurai avancé sur le reste. Du coup, je vais juste faire des petits glacis de rouge. Alors est-ce que tu peux. Parce que moi j'ai acheté des glacis. Je faisais des glacis verts sur mes serpents, toujours eux. Toujours eux, ils sont dans tous les coups. Mais en fait, j'ai jamais vraiment saisi l'effet et l'intérêt des glacis. La manière d'utiliser. En Ouais. fait, le glacis, c'est une couche qui est comme ça. J'ai mon rouge. Tirer de l'eau, tu vois, c'est vraiment de la flotte, quoi. C'est de l'eau colorée, en fait. Ok. Et ici. Et donc, du coup, quand j'en prends dans mon pinceau et que je le passe sur mon ongle, tu vois, ça colore légèrement. D'accord. C'est bien glacis. Tu viens prendre un tout petit peu de cette peinture, tu vois, je charge à peine mon pinceau. Puis je viens passer comme ça sur la zone que je veux colorer, que je veux teinter. Je vais passer une fois, deux fois, trois fois, mais en fait, si tu veux, c'est un petit peu comme un lavis, Mais sauf que plus au sobre, lieu peut-être que plus. ça se pose dans les creux, ça se pose dans les creux, bah ça se pose partout de la même manière. En fait, ça va D'accord. colorer entièrement la zone sur laquelle tu passes. Ça permet Et donc là, par de exemple, teinter, j'ai quoi. empilé le nez un peu rouge, les articulations aussi là sur la main, j'ai envie que ça soit un peu plus rougeâtre. Donc du coup, je passe un lavis. Ok. Glacis, pardon, hop, comme ça, c'est très léger. Logiquement, tu dois pas vraiment, tu dois à peine voir au premier passage. Donc du coup, tu passes un petit peu ailleurs. Tu vois, je vais venir en rajouter là sur son coude. Hop. Ok, c'est vraiment Pour que de ça soit plus liquide et teinter des pour pas petites que ça fasse zones. de taches. C'est un voile en fait. C'est un peu comme un intercalaire. Tu sais, un truc un peu transparent. Attends, je vais essayer parce que j'en ai un. J'en ai un le rouge là, donc je vais le tenter. Parce que moi, finalement. C'est des lavis qui sont tout faits games. Non, ils ont fait des glaze. Tac. C'est quoi la texture du coup? Ah, c'est ultra liquide. C'est vraiment de la flotte Ouais, un quoi. petit peu et passe-le sur ton ongle que je vois ce que ça donne. Vas-y, hop. Je sais pas si c'est visible ou pas du tout. Non, pas du tout, donc c'est que ça doit être la bonne texture. On ne voit rien, c'est la bonne chose. J'en mets un tout petit peu plus là. C'est ça. Donc tu ne recouvres pas toute la figurine Ouais. avec, tu ne fais que certaines parties. Ah non, c'est la zone que tu veux teinter. Là, tu vois, du coup, moi, regarde, en faisant trois passages, j'ai un nain qui a des joues et un nez bien rouge. D'accord. Ok, bah donc effectivement, je pourrais m'en servir sur son visage, peut-être pour faire ressortir des cicatrices aussi, ça peut être pas mal. Ah bah carrément, carrément. Si tu veux faire des cicatrices un peu rougeoyantes, tout ça, bah il suffit de passer des glaze dessus et ça fonctionne très bien. Ouais, pas mal ça. Parce qu'il y a la moitié de sa gueule Bon les qui a une copains, je crois que cicatrice. je vais vous laisser. En général, entre le temps où on dit je vais vous laisser et où je vous laisse vraiment, il y a genre 45 minutes. Tu sais. Pas faux. Non, mais je vais vraiment pas tarder. Là, de toute façon, tu vois, ça a permis déjà de faire un petit premier test, de voir un peu comment ça se passe On a pu pour. voir comment gérer tout ça. Plutôt satisfait pour Parce que l'instant, moi, de ce l'objectif, de premier. toute façon, de ces live peintures, ce sera pas forcément, je pense, faire des tutos sur des choses très précises, quoi. Ça va être plus être de la peinture un peu.
en mode chill. Ouais. Peut-être des défis un peu plus fun, quoi. Ouais, Truc c'est où on pas va trop se mal dire, ça. voilà, on se donne temps pour faire ça. Et à la fin, on voit ce que ça donne. Faut Par voir, exemple, j'avais fait un truc comme ça sur la chaîne. je pense qu'on pourrait être assez nombreux en plus J'avais fait un truc comme à. ça sur YouTube, en fait. Un truc avec Teddy de Pain Mes Figues, où on s'était fait un petit défi. L'objectif, c'était de peindre un Space Marine. Alors, je sais plus si c'est. Je crois que c'était en 2 heures. 2 heures ou 3 heures? Non, c'est Ah peut-être oui. 2 heures. Et en fait, toutes les 20 minutes, on lançait un dé. Et chaque phase du dé, c'était une contrainte, en fait. C'était un défi. Mais ça me dit quelque chose Donc, il y en que. avait un, c'était peindre pendant 10 minutes avec la main gauche, peindre pendant 10 minutes que avec du verre, peindre pendant 10 minutes saut qui a pas de pointe, enfin ce genre de choses, un régal, un vrai régal. Et ben, c'était très très rigolo, pas très beau à la fin, mais très rigolo en tout cas. Moche, mais fun. J'essaie Donc un. voilà. Écoute, c'était Je quand vous même bien mettrai une petite cool. photo sur. Ouais, sur Insta, une petite photo Sur notre. du résultat, ce Je sera pensais génial. mettre. Ouais, pas sur Insta, Ah oui. plutôt sur Facebook entre jeux. Oui, Facebook, même sur le Discord, je pense, pour les personnes qui sont sur le Discord, dans le salon. Tu vas pouvoir le poser aussi. Fait ça en. Moi, je suis arrivé. Je crois que quand j'ai commencé. Quand je suis arrivé, ça faisait déjà 23 minutes entre, tu sais, le temps d'attente et le temps que je me reconnecte. Dire qu'on a fait ça le temps que je me mette vraiment à la peinture, on a fait ça en 1 heure tranquille, donc ça quoi. C'était sympa en plus, moi j'ai bien aimé. Ça m'a permis de remettre un peu les pinceaux depuis ce week-end. Après, dans un futur proche, on pourra aussi se fixer des petits défis sur on peint tous les deux la même figurine. Ouais, ça peut être marrant ça. Ça peut être très drôle. Ouais, apparemment on voyait pas mon 3D, en pouce. plus, on pourra facilement choper des figues sympas. Hop. Tu as des Effectivement. peintres qui live pendant qu'ils font leur commande de peinture. Ouais, je sais qu'il y en a qui le font. Par exemple, il me semble que si je dis pas de bêtises, il me semble que Zoz fait. Aussi de temps en temps. C'est pas possible que je le fasse à un moment donné. Ou ouais, ce sera peut-être pas tout de suite parce que. Quand je fais mes commandes de peinture, j'aime bien quand même être concentré sur ce que je fais. Tu nous fais une ambiance dark, Clément? Ouais, en fait, j'essaie de faire un truc. Je parle avec un pinceau dans la bouche, c'est compliqué. J'essaie en fait de montrer un peu la cicatrice que j'ai mise sur son front, mais avec ma source d'éclairage, on ne la voit pas. Donc c'est assez chiant, faut que je trouve un meilleur moyen. Je pense que, attends, si c'est la fin, je peux m'amuser. Je vais baisser un petit peu. Alors attends, je vais utiliser ça, je pense que ce sera mieux. Hop, on va utiliser ma gueule. De toute façon, on s'en fout. Fermer les pots de peinture, ça peut être intéressant. Hop. Je vais vous montrer ça pour les gens que ça intéresse. Tac, on va se mettre comme ça. Je pense que là. Alors, ce pinceau-là, il faut peut-être que j'agrandisse la caméra, accessoirement. Parce que c'est pas qu'elle est miniature sur ma plan. Clément, les peintres de l'extrême, oui, je vois très bien, c'était des espèces de combats de peintres là, c'était très sympa. Un peu ça, ouais, c'était un peu sur ce délire-là qu'on était parti sur ma chaîne, donc je pense qu'on. Hop. Voilà. Voilà, moi je vais vous quitter là-dessus. Je sais pas là si. Ouais, si, on voit pas mal là. Trop de reflets cette merde. J'ai l'impression qu'on voit plutôt bien, mais je suis content.
Effectivement, c'est clean. En photo comment dire, le setup pour le reproduire la prochaine fois. C'est quoi le nom de ta chaîne? C'est Apprends la peinture sur figurine. Tu peux retrouver le lien un peu plus haut sur le chat, je l'avais Ouais, diffusé. juste un peu plus haut dans le chat, ouais. Alors voilà, je sais pas si tu vois un peu, il a une cicatrice sur la gueule, mon bonhomme. C'est l'objectif d'essayer de la faire. Caméra, donc ta figurine, elle est en contre-plongée en fait. Ouais, c'est un peu On voit pas chiant. bien son visage. T'as du mal à faire le focus. Fait, il y a son bras là qui me Là, tu clôt. vois le focus. Mais le focus, il est limite mieux quand tu mets rien derrière. Tu le mets comme ça. Ouais, là, on voit un peu mieux, j'ai l'impression. Voilà, je sais pas si tu vois bien là. Je vais peut-être éloigner un peu ça, mettre ça comme ça, voilà. Je sais pas si tu vois au niveau de son œil gauche, il a du coup une espèce de Ouais, cicatrice. on voit, on voit. Je sais pas si tu m'as entendu, je te demandais comment t'as fait. T'as juste passé un glaze là? Ouais, j'ai juste fait avec le glaze sur l'endroit de sa cicatrice. Bah, alors là, du coup, ce que tu, en fait, si tu veux, pour qu'une cicatrice soit crédible, faut quand même qu'il y ait du relief, parce qu'une cicatrice, c'est pas plat, en fait. Alors, elle est de Donc, base, en pour fait, il y a créer du du relief. relief. Donc, en fait, j'avais Ah, d'accord, utilisé. ok. En fait, j'avais fait la peau, je sais plus, dans, enfin, les couleurs plus claires. Et j'avais utilisé celle-ci déjà pour ressortir la cicatrice. Et là, du coup, j'ai repassé le glaze par-dessus pour qu'on la voie un petit peu plus. Faudrait que tu fasses un petit lining, tu sais, genre un truc assez foncé sur les rebords de la cicatrice pour qu'on voit bien qu'il y a du volume. Parce que là, on Ouais. dirait, là, alors c'est tout petit, hein, donc Oui. c'est difficile de voir, mais j'ai l'impression que ça fait plus peinture de guerre. Et par Ouais, contre, t'as ça. passé combien de passages de ton glaze? Un seul. Ah ouais, donc il faut quand même le diluer alors, parce que là, c'est trop puissant. Il est peut-être un peu trop efficace. J'en ai pas trop mis ailleurs parce que j'avais pas trop d'autres zones où placer. Mais par contre, si tu me dis que ça peut faire peinture de guerre. Alors, ça fait quand même un peu moins. C'est peut-être la caméra qui fait ça. Parce que Bah, sur. tu posteras une photo aussi, comme ça Ouais. on verra, comme ça on pourra commenter. Ouais. De son visage, je vais essayer de faire un bon zoom sur sa tronche. Alors d'ailleurs, il y a un côté de sa tronche qui est cicatrisé et l'autre qui est plein de peinture. Il est doublement victime, cette pauvre figurine. J'étais trop près, il ne veut pas faire le focus. Content du nain, il est super agréable à peindre. C'est vraiment cool. Je pense que ça sera une figurine très sympa parce qu'en plus il y a plein de petits éléments intéressants. Je pense que je vais le faire en vert. Je travaille pas souvent le vert, je vais peut-être le faire en vert. Je vais le faire en vert avec une grosse barbe rousse. Bam! En vert en termes de tenue, ouais, barbe rousse, bah ouais, ça fera un petit écossais. Ah bah il veut plus focus, pourquoi il veut plus focus? Ouais. C'est les arbitres, mais moi j'ai envie de le faire en vert. Enfin, voilà. Fin du débat. Ok, ma caméra ne veut plus focus. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est foutu mon gros doigt dessus ou quoi? Hop, je vous donne envie de vomir 2 secondes. Ça devient une habitude entre le rapport de bataille et ça. De la cam, je pense qu'en fait faut le bloquer le focus, Sais pas si on peut sur les webcams. faut le régler manuellement et le bloquer. Donc Sais pas qu'est-ce que j'ai comme option. Configurer, ouais, si. Sortie audio, non, il n'y a pas trop de moyens. Ah, t'as arrêté de partager ton écran? Il est parti en fait. Guillaume a juste voulu partir avant. T'en avais marre de moi? Je t'entends pas par contre. Je sais pas ce qu'il me sais plus quoi. fait là. Discord s'est dit non, non, c'est bon. Guillaume t'a dit que tu t'en allais, donc tu t'en vas et il m'a kické. Bon, ça montre qu'il faut vraiment que je m'en aille, cela dit. Ouais, c'est que c'est l'heure. Bon, ben sur ce, je vous laisse. Et puis Écoute, c'était carrément justement, on va cool. voir quand est-ce qu'on peut se refaire un. Ouais, carrément, c'était sympa. On va voir quand est-ce qu'on peut se refaire ça. Et puis, bah, je sais pas, je pense que je vais garder le nain de côté.
Puis sur le prochain live, je pense que j'avancerai. Je repartirai d'ici et j'avancerai. Alors, c'est pas dit que. Moi, je pense que. Ça J'espère en tout cas sur le prochain live, je ne serai plus sur cette figurine-là. Parce que je vais peindre entre temps. Mais. Ouais, non, mais carrément. Non, mais moi, je dis ça parce que comme ça permet de voir de A à Z. Mais. Mais peut-être je serai sur une autre bande de Warcry, parce que j'ai une autre bande Warcry avec beaucoup de peau, encore plus que sur lui. Enfin, tu vas me dire, déjà, j'ai celui-ci là qui est pas mal à poil aussi, que je vais devoir peindre. Peut-être pas trop bien, voilà. Il y a lui là que je vais bien amuser. Celui-là, tu l'avais vu, tu l'avais kiffé, hein, figurine. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup la fille. Celui-là, je pense que je vais m'amuser. Il y a de la peau à faire. Donc, ouais, ça va être sans doute une autre bande que j'aurai à peindre. Qui si tout se passe bien. Et sinon, eh ben, écoute, c'était bien cool, Guillaume. Yes. C'est sympa, on se refait ça, je sais pas quand, mais on pourra se faire ça peut-être un peu plus régulièrement que toutes les 2 semaines, si tant est que c'est sur les heures comme ça, en fin d'après-midi, moi ça me pose pas trop de problème. Écoute, moi ça me va plutôt bien aussi. Maintenant tout est prêt, donc. Faudra juste voir enfin, faudra juste qu'on se le prévoie en avance tous les deux pour pas que j'aie de cours ou quoi que ce soit, mais Oui. rentre dans le planning, évidemment, ce sera avec plaisir. Ouais, moi je travaillerai juste pour avoir des meilleurs points de vue. C'est pas ça encore. Mais ouais. Nickel. Et bah sur ce. Bon, ben ouais, sur ce, ciao, salut tout le monde. Pour ceux qui sont passés dans le chat, merci, c'était top. Ouais. Parler de ce nouveau format de Entre Jeux Studio autour de vous, comme ça, du coup, ça fera venir un peu du monde. Là, on n'a pas communiqué dessus parce que c'était le crash test, on va dire. Oui. Donc, pour les prochains, on essaiera d'avoir un peu plus de monde parce que les live peintures, comme ça, c'est très sympa. Donc voilà. Puis je sais que le jeudi soir, par exemple, c'est Zoz qui fait son live le soir sur YouTube. Donc venez ici avant, si on fait ça les jeudis soirs, ça vous chauffera, vous serez chaud comme des baraques à frites pour arriver sur le studio, sur Zoz Studio. Voilà. Et bien sur Sur ce, ce, bonne à soirée tout le bientôt. monde et à bientôt. Yes, ciao. Ciao.